Là, j'ai deux, je vois que j'ai deux mobs à tuer. Oh, je vais les fracasser. Oh, je veux les déglinguer. C'est quoi ça? Ouais, ta gueule. Laisse-moi jouer. Oh, je te déglingue, moi. C'est bon? C'est bon. Moi, j'ai fait la démo, donc là, je connais un petit peu. Donc, Ouais, je sais que les sprints, c'est ça. Ça, c'est les... Ouais, X, c'est les sorts, ça, je m'en rappelle. C'est... Salut! Ce qui est bien, c'est que mes collègues ils sont vachement efficaces! Ils se taillent! Ah, merci, c'est gentil! Oh, il est beau gosse, Cloud! Ok, d'accord, ok, super, génial, merci! Ok. Ah oui, on peut mettre bravoure! Bravoure du soldat, machin truc, ouais! Ouh, le combo pas mal. Blablabla 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 option. Ok, donc si je fais ça et ça. Oh. Ah si, moi je suis pas un beau gosse tout blond et tout. Putain, il pète Cloud. Merci du follow, c'est gentil. Ah oui, ceux qui ont pas fait la démo, qui vont acheter le jeu, qui n'ont jamais joué, qui veulent pas être spoil, Killer 06 a raison. Après le premier boss, ne restez pas quoi. Là, je peux déjà vous dire, ils vont m'apprendre à me défendre. Non, je lâche pas mon arme. Ça, c'était bien vu. Ah merde, ouais, c'est que voilà, le RSA, oui. Je sais que c'est pas évident, en plus ce moment avec le confinement et tout là. Oh, j'ai fait quoi là? Oh, mais je l'ai saucissonné. Waouh. Ah ouais, une esquive parfaite, ça fait ça? Y'a des sous? Donnez-moi des sous. Désolé pour tout RSA, y'a pas de sous dans le distributeur. Je t'aurais bien donné, mais... Il me donne pas. Dites-moi pour l'instant si niveau visu et niveau son c'est bon. C'est super cool si vous m'aidez à lancer ça parce que c'est mon premier stream avec OBS, c'est mon premier stream avec les réglages et tout. J'apprends un petit peu. J'aurais pu les pousser les barrières, c'est vrai. Des grenades. Ah ouais, c'est X l'inventaire, non, c'est ça? Ah ouais. Ah, ça met pas le jeu en pause quand je mets un inventaire. Aïe aïe aïe. Ah, quand il y aura des ennemis, ça va être Tandax, hein. Ok. Ça marche. Ah, ça. Aïe. Putain, je suis un putain de ninja, moi. Oh, l'épée, elle est plus grande que moi, en réalité. Dis, c'est pas bizarre qu'un... C'est bon, super, nickel. Merci, les gars. Ou les filles, je sais pas si c'est des filles ou des gars. C'est son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Oh, le râteau! Désolé, mec. Par contre, il a pas l'air commode. Par contre, j'ai entendu dire que le remake, là, le jeu, il est en plusieurs épisodes. C'est vrai ou pas? C'est reparti. Les visages, ça compte, c'est vrai, non? Tu crois qu'ils vont attendre qu'ils se soignent? Moi, bah ouais, même niveau, je sais pas. À l'époque, il était pas en tour par tour, les combats? Pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon. C'est du combat en direct aussi ou c'est du tour par tour? Bon. Oh, pousse pas comme ça, toi. Je te coupe le bras. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Si. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Non. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? Oh mais il nique tout Cloud. Oh je le kiffe déjà Cloud. Ouais tu... Hein? Là c'est 10% du jeu là? Vous êtes sérieux là? Ouais, il tient sur deux CD déjà.
Oh, oh putain, mais déjà là, il tient sur deux CD. Quoi, c'est énorme. Ah mais il avait pas 4 CD sur Play 1. Il n'avait pas 4 des CD. Ouais, je sais, je suis vieux, mais j'ai pas joué à ce jeu, putain. Je suis vraiment un gros con. J'ai mis très longtemps à découvrir les RPG. Hein. Dites-vous, mon premier RPG, c'est Skyrim. Et qu'est-ce que je l'ai kiffé, ce jeu. Oh, et là, il y a un clébard. Oh, mais tu t'en vas pas ou quoi? Il est où, Lou? Oh. Comment on se défend? Ah, c'est R1, d'accord. Chop, c'est quoi ça? Ah, mais j'ai même pas forcé. J'ai même pas forcé, bah j'ai un... J'ai pas forcé non plus. Quoi du jeu? Bah je viens de le commencer le jeu, donc moi je kiffe hein. Je suis comme un gosse là hein. C'est totale découverte pour moi. C'est ça l'avantage de pas l'avoir fait à l'époque le jeu, c'est que je découvre totalement en fait. Pour moi c'est tout nouveau, donc c'est... Je sais que c'est un très grand jeu et donc du coup je suis trop content d'y jouer quoi. Il y avait 3 CD, d'accord. Ah je croyais qu'il y en avait 4. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde est en kiff sur le 7 en fait? Je sais que c'est le premier qui est sorti sur Play, sur la PS1. Parce qu'à l'époque c'était sur Nintendo, ça je sais. Mais qu'est-ce qui fait que le 7 il a marqué autant les esprits? Ouais merci, c'est gentil d'avoir live pour moi. Chapitre 6, j'avais fait l'original mais je trouve que... Ah ils ont changé des choses quoi. Comme c'est un remake quoi, peut-être qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Bah déjà le style de combat quoi. Moi je préfère le style de combat direct que tour par tour. Hein. Ah mais y'a que moi qui me bat ici en fait. Oui c'est des putains de flemmards. Mais c'est pas un caniche ça. Il a la queue sur la tête, c'est normal. Il a un problème votre chien monsieur. Oh bâtard. Il est où le caniche? Viens là. Tu crois que je suis ton pote ou quoi? Moi je vais t'apprendre le dressage, moi viens ici. Oh là 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 mon gars. Oh là là mon gars, attaque de la bravoure de mon pote. Tu vas rien comprendre. Voilà. Trop facile. Je sais pas du tout ce que j'ai fait là. J'ai appuyé sur toutes les touches, ça a marché. Touché le 1, mon Genin, c'est un peu l'histoire en passionnant. Ok, d'accord. Ah, c'est le premier gros RPG en Europe, d'accord. Mais du coup, c'est un monde ouvert ou c'est. Ou c'est un semi-ouvert? Genre, c'est ouvert mais cloisonné ou c'est vraiment ouvert si un GTA? Si un Skyrim? Encore? Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh mais je kiffe trop les combats, les combos. Oh il s'est envolé! On peut sauter? Non on peut pas sauter? J'ai fini. Semi-ouvert, ok. L'OST c'est l'original, d'accord. Elle pète hein. Mais rassurez-moi, elle a pas la même musique tout le temps dans la... Ça change la musique j'espère. Un petit coffre secret. Après pour ceux qui suivront mon aventure en entier, n'hésitez pas à me donner des conseils et tout, parce que moi je connais rien. Hein. Sur quel compagnon est meilleur que l'autre, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Ok. Donc ce sera un semi-ouvert pour l'instant quoi. Enfin apparemment. J'espère que c'est semi-ouvert parce que ça a l'air génial. Putain les 4 bois ça, wesh. Ouais, le machin il fait 800 km de haut quoi.
Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Je sais même pas combien de gens on les a regardés là. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Oh, on est 7, cool. Un problème ou quoi? Merci aux 7 personnes qui regardent. On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. J'ai la cam pour l'an. T'as encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. D'accord, ouais, je le ferai la prochaine fois, d'accord. Je vais centrer un peu plus la caméra vers le middle pour que vous ayez l'écran en fait. C'est la première fois que je vois ce modèle, ça devrait aller. Ah bah je profite à fond, t'inquiète pas. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il est 2h20 du matin. Je dis vas-y, je t'en. A la base, je voulais juste tester le stream. Hein. Et au final, bah. Il y a des gens qui regardent, c'est cool. Faut que je lui parle? T'as intérêt à me guider. Non, ok, d'accord. Elle? Attends un peu. Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Ah, faut que je patiente, d'accord. Bix, tu pouvais la porte, s'il te plaît? J'y suis presque. Voilà, c'est fait. Merci. Merci, Bix. Merci du follow killer 06. On regarde Cloud. Ah, il est beau gosse, Cloud. Il est beau gosse. Non, franchement, il a un sacré flow. Hein. Le héros, il a un sacré flow. Temas regarde Braise. M'en fous. Aïe. Ah oui, effectivement, ouais, c'est efficace, ouais. Il est où? Non, c'est rond, putain. Je m'en fous. Ça va. Désolé, Cloud. Passons à la suite. J'ai bobo là. J'ai pas de potion, objet, potion. Ah, j'ai 16 potions. Pourquoi avant il voulait pas en boire une, ce gros con? Vas-y, bois. Hop là, petit PV là. Et voilà, je suis full. Donc là, j'ai 907 PV sur 1026 et j'ai PM 30. C'est quoi le PM? D'accord, ok. Donc en fait, j'attaque et après, je peux faire les attaques spéciales, c'est ça en gros. Attends gentiment ici. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, la porte elle est fermée. Tu veux que j'attende où? On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Désolé si je suis un peu nul, hein, mais je découvre le jeu. Hein. Fais attention à toi. La jauge d'ATB, c'est quoi en fait? J'ai pas fait gaffe s'il y a une barre qui apparaît. En fait, je suis tellement à fond dans le combat que. que je fais pas attention à ce qu'il y a à l'écran. Moi, je déglingue tout, moi. Une queue de phénix? Ah, ça obligé, c'est pour se ressusciter, non? Genre, cette boule de cristal. J'ai appuyé sur le bouton, il se passe quoi? Ça sauvegarde. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît? Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? C'est qui Tifa, c'est ma meuf? Point de mana pour la magie, ok. What? Ah ouais. Je suis passé de Final Fantasy à Red Dead Redemption. Putain, c'est beau. Salut Cloud. Salut petite fille. Tu m'ignores encore? Elle, c'est la meuf aux fleurs ça, non? Tifa et moi. On va à droite pour la TB, il y a une jauge avec deux étapes. D'accord, ok. Tifa, ami d'enfance. Ok, d'accord. Quand tu te barres et que tu regardes en face en bas à droite pour être... Donc en bas à droite, il y a une barre bleue. La barre bleue égale entre guillemets magie, c'est ça? Et quand magie remplie égale grosse attaque qui défonce des mers. C'est ça? J'ai bien résumé? Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. À la vôtre, placement de produits pour Contrex. Nous devrions bientôt en savoir plus.
pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie, Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi? D'accord. T'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Ah, en fait, la si j'ai pas la barre bleue... Si j'ai pas la barre bleue, je peux même pas me soigner? Mais pourquoi tu t'énerves, lui? Calmer, ouais. Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ouais, ouais! Ah, mais lui... Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi? Il a un problème mental, lui. Oublie la planète 2 secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Ok. C'est pas la peine de crier. Donc il faut que je fasse gaffe à la barre bleue. Ok. Ok. Barre bleue égale faire attention. Si barre bleue égale moi, dead. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part. Voilà. Je reste sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. D'accord. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Ils sont tous malades dans ce jeu. Ils sont tous barjots. Essaie de pas me décevoir. Oh, ce qu'il lui a mis. Ah, je vois que c'est tendu entre eux, ouais. Il est pas content, Comment il s'appelle, le balèze, là? Ah, me tire pas... me tire pas dessus, là. Ah, Barrette. Ah, je peux switch? Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ah, mais putain, mais c'est rond pour faire les roulades. C'est rond pour faire les roulades, putain! C'est rond pour faire les roulades! Oh 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 oh! Ah oui, la barre bleue, je la vois en bas à droite sous le nom du bonhomme. D'accord, ok, c'est bon. I understand. Ça, je vois. La caméra, par contre, elle a un peu casse-couille. Ah, je l'ai raté. Mais c'est long, c'est de la merde son arme. Ah non, avec triangle c'est pas mal. Donc là je change de... Comment je change... Ah voilà, ok. On peut pas sauter. Oh, il saute tout seul. C'est bon, j'ai gagné là. Normal pour un gamin comme toi. Tu auras une équipe assez ok. Même s'il n'y a pas beaucoup de polotors. Ah ouais, il y a les murs avant. Ouais, j'ai pas fait attention aux murs. Mais après, il y a. Je pense que l'équipe, après, je peux la composer moi-même, je pense, non? Là, ils me mettent Barrette comme ça, mais je pense qu'après, je peux choisir, non? Des rideaux laser. Je m'y attendais. La température. Redouane, t'es trop bête. Le moindre faux pas. T'as fait un nouveau compte, Redouane, sur Switch? Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? En plus, ça fait plaisir que tu sois là, Redouane. Bisous, Redouane, je t'aime. Il suffit simplement de passer au bon moment. Depuis le temps que je supporte ce gosse. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé! Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Ok, voilà, éviter les lasers, hein, ça, bon, ça.
Il se les est pris dans la gueule, je l'ai entendu. Espèce de con. Quel abruti. Et là encore. Oh putain, j'allais foncer là. On voit que tu étais soldat. L'autre se fout de ma gueule. Colasse. Chapitre 6, tu peux pas toujours pas choisir les membres. Oh putain. Oh là, ça enchaîne. Trois fois. On peut y aller. Hop là, y'a pas de caisse là-bas, c'est bon. Rassurez-moi, Barrett, quand je l'utilise pas et qu'il prend des dégâts, il perd pas de vie, j'espère. Ah, j'ai pas vu, ça fait trois fois. Ah putain, je suis trop con. Ah, là, je vais être patient. Une fois, deux fois, trois fois, et c'est bon. Ah, quatre fois celui-là, enculé. Je me suis fait baiser, c'est pas grave. Hop là, une médaille Mog, je sais pas ce que c'est. Mais c'est gentil, il m'a donné une médaille. Ici non, ok. Bah ok, bah je garderai l'équipe qu'on me donne, hein. Moi je prends ce qu'il y a, hein. Je veux dire... On surnomme ces machines des nettoyeurs. Ah ouais, je l'avais oublié celui-là. Pas si on les réduit en pièces. Et c'est parti. Oh putain. C'est quoi son point faible à celui-là? C'est quoi son... Qu'est-ce qu'il aime pas, lui? Fragilité. Là, c'est bon, là. Est-ce qu'il aime le feu? Oh, il aime pas le feu! Oh, il me crame! Te précipite pas. Oh yeah! Oh yeah! Il prend. D'accord. Oh, je lui ai botté le cul, mon pote. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Inch en Warzone un jour. Bah ouais, Warzone, il faut que tu viennes. Depuis hier, j'ai fait 6 top 1 déjà en team. En plus de l'or. Pas si pas la vie, je pense. Pas sûr, la magie, je crois. On a eu ton épée dans le fion. Ça fait. Claude te l'a dit. Bah là, il. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe. Et un ok, d'accord. Mental. Le feu, d'accord. Ça, je prends pas le temps de lire. Je prends pas le temps de lire ou d'écouter ce qu'ils disent en fait. Je suis trop pressé. Bonjour madame. On y va? J'ai sprint illimité? Oh, c'est cool ça. Pas de caisse? Non, on continue. Oh, ça va, easy, c'est en bas quoi. Je sais que je me rappelle du premier boss. Je sais que j'en ai chié à le faire. Descends par ici. Bah descends.
Youhou. On approche. On approche. C'est la Mako à plein nez. C'est quoi le Mako? Je comprends pas. Le Mako, c'est quoi? C'est le truc vert là? C'est la flotte? Ça, j'ai pas compris ce que c'est le Mako. Moi, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jeu final, Alex. Il est là. Mais jeu final comme ça, tu vois leur évolution. T'es sur un jeu mobile? Sur quel jeu mobile tu joues, mec? Le cœur du réacteur est juste en bas. Un jeu mobile? Mais comment un gamer peut jouer sur mobile? Je comprends pas, moi. Je descends par là? Ok. Attendez, faut que je me réinstalle comme il faut, là, parce que j'ai bougé maintenant. Ah, c'est le sang de la planète, d'accord. Donc en fait, on est en train de ponctionner le sang de la planète, ça, c'est pas très gentil, ça. Oh là là. Bah arrête, viens ici, il y a un canon là-haut. Mais non, mais vise là-bas, connard. Connard incapable. Voilà, hop, donne-moi Cloud. Oh, vas-y, mais bah arrête, y'a moyen que tu me donnes un coup de main, s'il te plaît, là, parce que depuis avant, tu sers à rien, là. Handicapé, va. Attendez, il me faut de la potion magique. Par contre, c'est un peu long. Y'a pas des raccourcis pour prendre la vie là. Parce que là. Tiens, Barrette, mets-toi full aussi. Ne prenons pas de risques, Barrette. Tiens, prends une petite potion magique. Préparée par notre druide. Il t'a expliqué, Barrette, dans l'ascenseur. Ouais, mais je comprends pas ce qu'il me raconte, il s'est énervé tout seul, Barrette. C'est un grand malade. Un manga, voilà. Si on tombait, je crois qu'on y arrive au cœur de la plaquette. Le réacteur aurait vite fait d'aspirer. Merde, putain. Mais Barrette, s'il te plaît, est-ce qu'il y a possibilité que tu me défendes pendant que je coupe les plantes volantes? Connard, tiens, mange. D'accord. Ah, mais en fait, genre, je suis... D'accord, je suis un écologiste. D'accord. Ok. Je milite pour une palette plus verte. Bah d'ailleurs, s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître au confinement, c'est que la planète va mieux. Hein. J'ai du soleil depuis qu'il y a le confinement dans ma ville. On y est. Let's go, bitch. On y va. Ah mais il a trop de flow, Cloud. Il est trop stylé, putain. J'ai m'acheté le même pantalon. La même épée. Et je vais me prendre dehors, j'en ai rien à foutre. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. D'accord. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Bonsoir, Chris. Comment vas-tu? Alors ferme-la et suis les ordres. Bah je pourrais s'énerver, je te pète un coup d'épée, mec, fais pas le fou. Merci, ouais, je sais, le boss, je l'ai fait dans la démo, donc je sais. Je sais que je suis un chieur, je sais que je vais en chier. Ah putain, j'ai pas pris de Doliprane ce matin. Je suppose que ça va être expliqué dans le jeu, ça. Pourquoi il a des visions et pourquoi il a des maux de tête. Ça va, merci Chris, c'est gentil. Tu peux me tutoyer, je te rassure. Non, c'est rien. Je mets combien de temps? Je suis pas si vieux que ça. Hein? Par contre, ouais, ça change quoi, ça? Parce que dans la démo, j'ai mis 20 minutes. Si je mets 30, ça change quoi? J'ai juste plus de temps pour tuer le monstre, c'est tout? Ok. J'espère que t'es sûr de toi. Mais ouais, je suis sûr, mais 20, qu'est-ce qu'il y a? Même 5 minutes, moi, je mets. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un niqué, moi. Ah oui, c'est l'araignée, là. Ah, c'est un scorpion. Et c'est parti, mon kiki. Un blindage renforcé, mais il est vulnérable. Utilise la même
Ah, j'ai pas de barre bleue, merde, c'est vrai. Aïe, 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 arrête, arrête, arrête. Moi gentil, moi copain avec toi. Ouais, yes, j'ai de la barre bleue. Esquive, 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 esquive. Wouah, mais il est vénère lui. J'aurais peut-être dû mettre le mode facile. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, vas-y, mais s'il te plaît, frère. Non, arrête, 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 je suis gentil. Je suis gentil, je veux sauver la planète. Arrête, 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 arrête. Hop là. Ah, il s'est assis par terre. Je l'ai mis sous le cul. Aïe. Puissance maximale. Faisons autrement. Faisons autrement, ouais, je confirme. Allez, on s'en... Arrête. Ah, il a de la foudre lui. Et c'est parti, mon kiki. Ah, il aime pas la foudre. Foudre, mec. Ouais, j'ai vu, je savais pas qu'il y avait la foudre, j'ai capté. Je le poutre, mais je lui poutre sa daronne, moi. Il est malade. Mais c'est un grand malade, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, 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 oh. Pourquoi je... Mais il est malade. Ah, il a le blindage. Mais attendez, je vais prendre ça. Hop. Ah merde, je l'ai raté. Oh, vas-y. Je m'en charge. Potion magique. Ah merde. Bon bah tant pis, je prends Cloud. Je vais lui poutrer le trou de balle. Sans aucune connotation, hein. Ah, il m'a esquive, bâtard. Non, non, tire pas au missile. Ah, je peux pas esquiver les missiles, hein. J'arrive pas à les esquiver. Non! Oh là là! Ah, vas-y, mais nique tes morts là! Nique tes morts! Oh, mais vas-y! Laisse-moi te découper le cul! Attends, tiens, Barrette, prends un petit truc, petit remontant là. Tiens, hop, cadeau, c'est offert par la maison. Aurais-tu une l'amabilité d'arrêter de me défoncer la gueule pendant que je me soigne? Oh non, il va tirer les missiles. La musique elle est énorme. Ah merde. C'est pas gentil ça. Mais comment tu peux tirer les missiles sous ton cul? Oh ah, par contre là niveau life c'est un peu tendax.
Ouais, je... Ah, je sais, mais il y a trop d'informations, les gars. Arrêtez, j'arrive pas à suivre. Je suis pas habitué à ce genre de jeu. Hein. Mais je veux lui poutrer le cul, mais il veut pas. Attends. Mais non, mais tape là. Handicapé des Alpes. Non, tire pas les missiles. Mais putain, mais les missiles, comment on esquive ces putains de missiles de merde? Allez, ensemble. Ouais, 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 je sais, j'essaye de faire les combos, mais c'est dur, hein. J'ai galère à faire les combos, moi. J'apprends. Oh, merde. Comment j'esquive les missiles? Ah, l'enfoiré. Je voulais partir de l'autre côté, il m'a quand même niqué. Oh, quel bâtard. Ah putain, mais... Vivement que j'améliore mes compétences. Il va me buter. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, ok, attendez, je vais vous lire. Utilise les combos, il est en fragilité. Ok, il lit pas le chat. Pas combo, compétence. Sur une touche. X plus compétence, c'est là. Ok. Oh les gars, mais hey, calmez-vous. Je me fais engueuler parce que je joue mal. Ah, âme brave, c'est ça que tu veux que je fasse, d'accord. Alors par contre là... Genre là, comme ça là. Ah bah là je l'ai raté là. Qu'est-ce que c'est ça? Sniff. Ok, d'accord. What the... On évite de se le prendre. On se cache derrière les débris. Je suis mort. Triangle de transcendance. Mais carré, ça fait rien les gars, carré, ça me met en bravoure, c'est tout, mais... Putain, mais... Putain, mais... Alors, je vais essayer Transcendance. Âme brave. Aïe! Nul! Transcendance. Ok, on va essayer Transcendance dans son cul. Alors, Transcendance, je sais pas ce que c'est. Que je l'ai mis dans le cul. Non, arrête, je rigolais. La tête de ma mère, je rigolais. Très bien. Là, j'ai mis triangle, ça fait ça. Hein.
Ah, me brave. Je refais, vous m'avez dit de le faire, je le fais. Ah ouais, 200 de dégâts, pas mal. Et c'est quoi ça? Choc transperçant, c'est bien ou pas? Ça commence à rentrer, je vous écoute hein. Oh, ça part en couille par contre là. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il se raise. Oh, le bâtard. Aïe, non, arrête, me tape pas, c'est pas gentil. Attends. Aïe, ça fait mal. Mais putain, mais tu vas te calmer là? Tu crois que je suis ton pote? Champ transperçant, on essaye. Pas de gauche, low. Bam! Oh! Tu ne te répareras pas, mon ami. Je ne te lâcherai plus maintenant. T'es un homme mort, mon pote. BAM! Oh! I'm win! Yeah! Merci les gens, c'est gentil de m'avoir aidé! Merci de vos conseils! Hein. Sans décès, ah, je suis pas décédé! Ah là il faut run for life, c'est ça? Au petit jersey. Oh ça pète sa mère! C'est trop bien! Oh c'est trop bien! Oh je kiffe! Sortons d'ici. Je kiffe ma race. Donc là il faut run. Et c'est oui, parti! Allez bouge ton gros cul! Oh, je peux le traverser. J'ai la tête dans son fion. Oh, je te renifle le trou de balle. Excuse-moi, mec. Mais j'ai envie de vivre, donc du coup... Vas-y, il pèse 90 kilos de plus que moi et court plus que moi, c'est pas super. Hop. Il y en a une autre, je crois. Faites pas chier. J'ai même pas forcé. Ah, l'autre s'est barré, bat les couilles. Et c'est que le premier boss. Moi je suis mort. Je vois pas de quoi vous parlez. Je suis pas au courant. Oh, oh non, jolie fille, attention. Oh, petite traction, hein, petite muscu. Histoire de me la péter un petit peu. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Ma jambe est restée coincée. Donc en fait là la meuf vient de se faire écraser la jambe par une pierre qui fait à peu près 100 kilos. Hey, on se retrouve là. Aucune fracture. Fais tout pour protéger Jesse. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir. Ah, le but c'est pas que je remonte, pourquoi on redescend là? Attends, il y a des caisses, mais pourquoi je peux pas courir? Attends-moi, Jesse! Hop là! Ah, c'est Jesse comme dans Toy Story! Cloud, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre le coffre, qu'est-ce que je fais? Quelle question! Deux potions, meuf, attends! C'est ta mère qui paye l'émotion ou quoi? On va clipper pour que t'en souviennes! Non, arrêtez, c'est pas vrai! Je suis dans le déni là! Ah, je peux lui. Ah bah tiens, je te renifle les fesses aussi à toi aussi. Oh, je vais le battre. Vite, monte. Vite, allez. On est en haut avant lui, il a qu'une main en plus. On arrive en même temps.
Hop là. Sans élan. Oh, y'a les Stormtroopers qui m'attaquent. Tu pars devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Mais vous. Eh, 20 minutes pour faire tes courses, c'est rapide. Moi, quand je vais au Leclerc, c'est long, hein, mais je mets presque une heure. Et voilà. Faut les arrêter. On n'est pas tout emmerdé. Ça va bien t'empêcher. T'inquiète pas, ça me prendra 5 secondes. Vas-y, mais. Elle est où la plante? Tout le monde est mort là? C'est vrai que le confinement c'est casse-couille, mais on est obligé de toute façon, ça. Si on avait été plus malin dès le départ, on en serait. Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu veux toi? Ah oui, c'est vrai, il aime pas le feu. J'apprends vite hein. On a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même hein. Ça commence à rentrer dans mon cerveau. Attends, il y a des caisses. Par contre ce qui est con c'est pour casser les caisses, je peux pas enchaîner des coups. Il met que un coup. L'épée, bah l'épée c'est celle de base hein. J'ai qu'une épée, hein, j'ai rien hein, comme équipement. Ouais, un seed jump. Mais... Attends. D'accord, ok. Ah, donc je vais débloquer les nouvelles armes. Ça, c'est cool, ça. Bah après, l'épée... Ouais, je pense que l'épée mythique de Cloud, ouais, tout le monde la connaît, c'est sûr. Mais c'est pas dans Final Fantasy qu'il y a un mec qui s'appelle Sephiroth, aussi? Oh! Un Ninja Kid! Oh! Mais il me défonce ma gueule! Ah oui c'est... Putain c'est vrai que c'est R1 pour se défendre. Moi je peux lui découper ses grands morts. Voilà qui est fait. Il devrait ajouter encore une pointe d'orgueil. Non, quand j'achète un jeu je regarde aucun trailer, je regarde rien. Reported. Ça reste dans mes cordes. Reported quoi? Que je suis en live. Il y en a, c'est vraiment des gamins à tête de ma mère. Attends, mais y'a pas des tourelles là? Attends, mais. Putain, faut que je nique les tourelles. Vas-y, mais arrête le ninja! Mais tu vois pas. Mais putain, mais. Let's go.
Et voilà le travail, Bobby. Merci pour le follow, c'est gentil. Ah oui, c'est vrai que dans la démo, il y a ça. Donc c'est bon. Mais après, si ça lui fait plaisir, hein, voilà, hein, je veux dire... Si le mec, il rage parce qu'il a pas le jeu, j'y peux rien, quoi. Tu vois, moi, je l'ai acheté au Cora, gros. Tu vois, Leclerc, il y est aussi. 40 balles, si tu veux tout savoir. Je pense que je vais dépasser un petit peu le truc de la démo. Et après, je streamerai autre chose. Parce que j'ai pas envie de prendre de risques quand même. Mais j'attendrai pas le 10 hein, pour faire ça, c'est sûr. Hein. Tous les jours, je vais jouer, j'en ai rien à foutre. Un petit live d'une heure ou deux la nuit, voilà. Merci pour les follow, c'est gentil. Merci à tous. Merci, 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 merci. Je suis désolé, normalement, il y a les interactions, il y a les trucs qui sont censés apparaître, les alertes et tout, mais je sais pas pourquoi elles fonctionnent pas. Et il faut que j'aille voir quand j'aurai raté le live. Faut que j'aille voir pourquoi ça fonctionne pas. Donc je suis désolé que vos noms s'affichent pas à l'écran. Mais j'apprends. Comme je l'ai dit au début, j'apprends sur OBS. Je débute. Mais ça fait plaisir. Donc 6 nouveaux followers, c'est gentil, merci. Bisous à tous. On va tous mourir. Mais lève-toi, mais elle... Ah mais je passe ma vie à lui sauver la life, elle, ou quoi? Allez hop, vas-y, je te tire par les cheveux. Ouais, j'y penserai à mettre la cam en haut à gauche, en haut à droite. Pas de soucis. C'est gentil, merci. Parce qu'en haut à droite, y'a rien sur Final Fantasy. Bah je ferai un overlay spécial Fantasy. Je créerai une scène en plus. Spécial Final Fantasy. Voilà, tout cassé. Wow. Franchement, je pense que ça mérite un petit coup d'eau parce que j'ai soif. En haut de la barre des followers. Ok, ça marche. Je mettrai la cam en haut à droite. Pas de soucis. C'est gentil. J'écoute vos conseils. C'est gentil. Vous êtes bienveillant. C'est bien. Merci. Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu. Ah oui, là, par contre, là. Attendez. Plan de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut appeler ça un spoil vu que le jeu il date de 97 quoi? Oh, ça, j'en suis convaincue. Le jeu il a 23 piges, je veux dire. Presque, c'est un peu plus loin. Il y a prescription quand même. Tu vas passer devant. Entendu. Bon, il a une de ses armes, il a une de ses batteuses dans le dos. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Y'a pas un secret qui traîne, non? Non. Pourquoi je marche? Je peux courir? Bon. Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Ah, c'est pas dans l'original, ça? D'accord. Oh, sérieusement, ça chlingue grave, là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais, ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. Bon, on va juste faire la partie 2, alors, et après, je changerai de jeu. On partira sur Resident Evil 3 Remake. Si ça vous va. J'en ai le ventre qui ballotte là. Ça n'arrête pas d'exploser. Si ça vous intéresse. Vu la densité de Mako, sans catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non, oh, j'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Ah, c'est comme Red One ça. La prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Pense qu'à bouffer le mec. Wedge, c'est encore loin? Non, on y est presque. Ouais, bah RE3 Remake, je voulais là. Et je voulais le commencer aussi. Après, je me suis dit, allez, Final Fantasy, j'ai trop envie d'y jouer.
Du coup, j'ai lancé Final Fantasy. Sortir par ici. Et après, je fais le chapitre 2 et je lancerai Hero 3 après. J'ai hâte de retrouver Marlène. On va aller voir Nemesis. Histoire qu'il nous poutre la gueule. Parce que j'en ai chié dans la démo avec cet enfoiré. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles. Ouais, t'as la mine bombe de 40 kg de C4 pour une porte de 1 mètre. Allez, c'est bon, c'est ouvert. Chapitre 3 et ça part pour s'accélère. Ouais, mais après, en vrai, j'ai envie de jouer. Franchement, si je m'écouterais, je jouerais, mais jusqu'à 10h demain matin. Mais en fait, à cause des gens qui viennent, qui reportent, ça me fait un peu flipper, quoi. Parce que je me suis fait chier à monter la chaîne Twitch tout doucement. Depuis quelques mois, ça me ferait chier de la perdre quand même. Ça me ferait un peu mal de la perdre. Quoi. Donc j'ai pas envie de jouer avec le feu trop, quoi. Mais je trouve ça malheureux qu'en 2020, t'as des mecs comme ça, quoi. Moi je comprends pas. Je comprends pas les gens qui sont aussi stupides. T'as pas le jeu, c'est pas grave, profite. Tu l'as sous les yeux, je veux dire. C'est des conneries. Ouais, mais Olympien, tu sais. Perdre une chaîne que tu t'es fait que tu t'es embêté à construire, ça fait un peu mal, tu vois. En plus, j'ai 183 followers maintenant. Mon objectif d'avril, c'est 200. Avant mon anniversaire, mon anniversaire c'est le 27 avril. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. Et je vais faire un live 24h pour ce jour-là. Si on veut sauver la planète. Du coup, j'aimerais bien attendre les 200 pour le 30 avril au plus tard. Et j'ai pas envie de perdre ma chaîne, quoi. Franchement, ça me ferait mal. On s'est donné une mission, celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. En plus, j'ai investi dans du matos et tout. Mais je suis pas fou, vous savez. Je suis du 19. Ah bah voilà, t'es un taureau comme moi. Vous en faites pas. T'es un taureau comme moi. Allez, mettez-moi tout sur le dos. Les taureaux, c'est les meilleurs de toute façon. Vos craintes, vos doutes, vos petits soucis, sans oublier votre récompense. Wesh, le mec il nous fait un discours à la Erwin dans l'attaque des titans, ouais. Ah, t'es bélier encore. Ah, pas de chance. Pas de chance. Et maintenant, tu es passé tout proche de l'excellence. Comme on a prévu, on prend nos jambes à notre cou. En tout cas, je vois qu'on est 17 personnes nocturnes là. Hein. 17 personnes dans le live. 17 insomniaques. Tu vas me dire, c'est le confinement. À part dormir et faire du télétravail, on a que ça à foutre aussi. Donc on peut veiller plus tard. Ça sert à quoi les terres? On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve. Putain, mais c'est magnifique. Je me suis pas encore arrêté pour regarder, mais. Vous savez, graphiquement, le jeu il est super beau. Je sais pas sous quoi il tourne, mais il est super beau. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la. D'accord. Les points de magie, c'est la barre bleue là que vous me dites à chaque fois qu'il faut que je fasse des combos de fou là. Donc si je prends de l'éther, elle se remplit cash. Oh! Je suppose que tu sais ce que c'est. Elle me donne de la drogue. Une matéria de soins. Ah! Oui, je connais. D'accord. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. UE4. Insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant. Ah! Unreal Engine 4, d'accord. Ah, tu m'étonnes qu'il est. J'ai pas vu que c'était un. Soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Ouais, c'est pas écrit sur la boîte. Mais c'est tout. Bah, Unreal 4, ok. Un très beau moteur graphique. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Nouvelle fonction d'équipe. Ok, vous pouvez désormais insérer des matériaux dans vos armes et vos protections. Commencez par placer les matériaux dans l'épée de broyeuse. Lancez le tutoriel. Je vais le lancer parce que je suis un peu un noob. Ok, d'accord. Ok, X, d'accord. Ok. D'accord, ok. Ok. D'accord, donc là j'ai le pouvoir de feu et le pouvoir de soin.
D'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Cloud le pro, le streamer, le débutant, mais c'est ça. Mais après, voilà, comme dit, en fait, quelque part, je suis heureux d'avoir jamais joué. Parce que je le découvre en étant adulte. Donc je pense qu'on est adulte, on a un peu plus de recul et on comprend plus les jeux et les choses. Donc, et là, et en fait, là, si, j'ai des yeux de gamin, clairement. Je veux dire. Je suis comme un gosse en train de jouer. Je découvre et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça sur un jeu. Hein. Ça fait très très longtemps. Hein. Parce que j'adore jouer, mais je suis très difficile en. Je suis très très difficile en. En jeu, moi je veux de la qualité quoi. Je veux de la qualité. Ah, mais sont là mes stats, d'accord. Ah, mais genre le bracelet, je peux le mettre là. J'ai un bracelet machin là. Ça là. Comment je l'équipe? Je suis équipé là. Ah, quand il y a un C, c'est que c'est équipé, d'accord. Ah, il me l'équipe automatiquement. D'accord. Ouais, bah j'espère, je vais me régaler, c'est gentil. Plus tu gardes les matériaux sur l'épée. Ah ouais, ok, donc c'est un... C'est un... meilleur jeu scénarisé de tous les temps. Ah, je sais pas, moi je suis un grand fan de Metal Gear Solid. Hein. Et le scénario, il faut réussir à le suivre. Hein. Donc en fait, au niveau des armes et des matériaux, des matérias, c'est un peu style comme dans Nioh, quoi. Que dans Nioh 2, quand t'as une arme... Et que tu te bats avec, t'as une barre bleue qui monte et elle devient plus puissante. Donc là, c'est un peu le même principe, je pense. Bon, on se retrouve au train. Ouais, mais... Là, je vais pas trop... Excusez-moi, mais je vais un petit peu regarder parce que je kiffe trop, c'est trop bien fait, ouais. Oh, les enfants, excusez-moi, j'ai cassé votre rue. Oh, I'm sorry. So sorry, so... Excusez-moi. Do you speak French, madame? Non. Ouais, j'ai tout cassé. En fait, ce qui me fait kiffer, c'est que c'est dans un univers fantasy, mais au final avec beaucoup de trucs réalistes, ouais. Ouais, mais je m'en doute, vu que c'est un RPG Final Fantasy, donc je m'en doute qu'il est beaucoup plus long, ouais, c'est sûr. Et après, en plus, on m'a dit avant, je sais plus qui m'a dit que ça, c'est que 10% du jeu, Midgar. Donc, par contre, s'ils vendent chaque partie du jeu à 50 balles, ça fait cher quand même. Hein. Regarde en haut. Je suis ici. T'es où? Ah, t'es là, salut. Je suis en haut, je te dis. Mais je t'ai vu là. Je suis en haut, je te dis. Mais oui, je te vois. Regarde, c'est pas stable ici, fais attention. Pour monter, faut prendre les escaliers là-bas. Elle est sérieuse là. Merci Olympien du follow, c'est gentil. Bon, on va dire que c'est 20% quoi. Après, peut-être qu'ils le font en 4 fois, donc 25%. Mais ça fait quand même cher pour un jeu complet. C'est un peu ça que je reproche aux nouvelles générations de consoles, quoi. C'est qu'à l'époque, on payait 400 francs un jeu, mais le jeu était complet. Là, on le paye 70 balles, et il n'est pas complet. Ouais, je sais qu'ils ont fait exprès, mais... C'est pour faire du bénéf, hein. Un truc tout bête. Là, hier, ils ont sorti le remasterisé de Modern Warfare 2. Voilà. C'est pour du bénéf. Ils ont juste fait le mode campagne. Ils ont même pas fait le mode... Le mode multi, ces gros clochards. Mais bon, c'est pas pour pas flinguer le milieu, quoi. Oh, mais on a cassé toute la ville. Qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai aussi, Corellus. Ah, le jeu... Oh putain, j'ai plus de batterie. Ah, le jeu total, il fait une centaine d'heures. Oh, ça va alors. Sur Skyrim, j'ai fait 600 heures, donc... Ah, c'est lui, Sephiroth! C'est lui, c'est lui, hein! Ouah, comment il est badass, sa mère! Oh!
Oh, elle a l'air tellement violent. Tu vois, tu l'as reconnu. Ouais, parce que j'ai vu des scans sur... Oh. Mais c'est un méchant, c'est un gentil en fait. Mais il est vachement grand, il fait 8m40. Je le crois pas. Oh, je sais pas pourquoi, méchant. Oh, mais c'est trop beau. Ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis déconnecté là. On te spoil rien. Ouais, bah je verrai pour le prendre sur un émulateur, sur l'ordinateur. Parce que récemment j'ai vu, je pense que vous le connaissez, le youtubeur en tant que Scolaboy qui fait aussi des streams maintenant, et j'adore regarder ses streams. Il a refait FF9. Non, j'ai pas fait l'original, non. Quand j'étais jeune, je détestais les RPG. Et il faut savoir que malgré que j'ai eu la Super NES, la NES, la Play 1 et tout, la 64, j'étais pas du tout un grand gamer à l'époque. Avant d'y aller, je vous raconte l'anecdote. Et en fait, ce qui a fait que je suis tombé amoureux du jeu vidéo, bah, je l'ai dit avant, c'est Metal Gear 1 sur Play 1. J'ai joué à Metal Gear 1 sur Play 1, j'ai retourné ce jeu de fond en comble, j'ai tellement kiffé que je suis devenu accro à la console. Donc c'est Metal Gear 1 qui m'a rendu accro. Et les RPG en fait, quand j'étais plus jeune, je détestais le tour par tour. Et c'est ça qui m'a toujours enlevé l'envie d'aller vers Final Fantasy, c'était le tour par tour qui me gênait. Et du coup pendant des années j'ai pas joué RPG. Et après il y a eu Skyrim. Il y a eu Skyrim sur Play 3. Et en fait j'ai un pote, il m'a dit vas-y joue à Skyrim, tu verras, c'est trop bien. J'ai dit non, le RPG c'est de la merde, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. J'ai joué à Skyrim, enfin j'ai lancé Skyrim. J'ai pas lâché ce jeu pendant presque 6 mois. J'ai joué qu'à ça, j'ai fait 600 heures sur la Play 3. Je l'ai retorché sur Xbox et je l'ai refait le remasteriser sur Play 4, tellement je l'ai kiffé. Et quand The Elder Scrolls 6 va sortir, mamma mia, je vais le torcher aussi. Et du coup, bah, ils ont fait Final Fantasy 7. Et quand j'ai vu que c'était du combat en direct, je me suis dit putain, il faut que je le teste. Je lui ai dit... C'est un jeu emblématique. Je suis obligé de le faire, merde. Arrête. Content pour lui, hein. Red 13, c'est quoi ça, Red 13? Ok, bah je les ferai. Ok. C'est pas possible. C'est pas toi. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Mais je trouve que Sephiroth, il ressemble vachement à Cloud. J'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Non, me spoiliez pas, s'il vous plaît. Ne me spoiliez pas, par pitié. Laissez-moi kiffer et découvrir. Avec mes yeux d'enfant. Ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Hey, il a tué la mère de Cloud. Oh, je vais te agra, mec, mais comme jamais. Oh, je vais te saucissonner le front, tu mais vas pas comprendre. Je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte. Il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Il est chelou, Sephiroth. Tu vas le payer. What the... Voilà. C'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier.
J'ai des visions. Ouais, grave, mais... Je suis trop approché de la Mako. Bon. Allons-y. Alors, attendez. Ne me répondez pas, hein. Je réfléchis moi, et j'extrapole, je fais des théories, hein. Parce que Sephiroth, je trouve qu'il ressemble vachement à Cloud, au niveau du faciès. Je trouve qu'ils ont un peu la même gueule. Est-ce que ce serait pas son frère ou un truc comme ça? Ou de sa famille, un truc comme ça, je sais pas, je trouve... Il y a un lien qui les unit, il a dit, donc il y a un truc voilà, qui est pas clair. Son frère possible. Mais pourquoi il aurait tué sa mère? C'est pas très gentil, ça, quand même. Mais par contre, Sephiroth, il est immense! Ouais, vous avez vu la taille de ses pieds? Ouais, ses bottes, c'est du 94! S'il y a tout qui est long chez lui, sans sous-entendu, bien sûr. Et que veulent les gens qui ont fait ça? Je vais jamais attraper le train. Waouh, mon atout. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Est-ce que je peux les tuer? Vous allez à la gare? Mais tu... À mon avis, c'est faisable en passant par le toit de l'immeuble qui est au bout de cette ruelle. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Il a une longue épée. Pourquoi t'as quel âge, Cody Tetsuo, pour finir que t'es trop jeune? Moi je commence par ce FF. Là je découvre un beau FF. Voilà. Oh mince, j'ai renversé le saut, excusez-moi. L'épée s'appelle Sasamum? Oh putain, l'un de ses noms, ouais. Ah, t'as 24 ans. Oh, t'es pas si jeune que ça. Enfin, t'es jeune par rapport à moi, c'est sûr. Il y a eu des dégâts, en effet. Ah, merci Olympien, c'est super gentil à toi. Merci à toi, ça me fait plaisir, ça me touche ce que tu me dis. Parce que je galère à décoller sur Twitch et c'est vraiment un truc que j'adore. Je pense que ça se voit, hein. Je kiffe discuter avec les gens. Hein. Et je prends un réel plaisir à jouer à des jeux comme ça. Et je suis content que les gens m'aident, etc. Parce que voilà, moi je suis un débutant, donc quand on me donne les bonnes techniques et tout, j'aime bien découvrir. Je suis pas le mec qui va dire « Non, je connais tout, allez vous faire foutre ». Non, au contraire. Il y a des jeux où je suis très fort, où je connais beaucoup de choses, mais il y a des jeux où, voilà, Final Fantasy, je suis très nul. Voilà, faut savoir reconnaître quand on est nul. Hein. Non, tu as mal lu. FF, j'ai mal lu. Massamum. Ah, merci Olympia. Tu vas me faire rougir, Olympia. Attention, je suis un grand émotif et un grand sensible. La dernière fois, j'ai fait Life is Strange 2 en live. J'ai versé mes plus grosses larmes. Il était tellement triste, ce jeu. Je dois aller là-bas ou je dois aller là-bas? Attends, l'objectif il est là-bas, donc je vais aller explorer ici. Surtout restons vigilants. Ah, je peux les défoncer, eux? Il y en a ici aussi. Ah, attention, ah, je peux pas les défoncer. Ah merde, dommage. Parce qu'il y a un truc violet par terre là. C'est quoi le truc violet? Moi je voulais voir ce truc. Ça, ça mom. Attends. Ah oui! Excuse-moi, bah ça mom. C'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai... ok. J'ai compris le bug. Et l'épée de Cloud, elle s'appelle comment? Super Brakmar? Parce qu'elle est énorme, son épée. Hein. Oh, c'est la fille aux fleurs! Eh, tiens. Oh, la touche pas, je te défonce! Je te défonce, mec! La touche pas, je te le fous, va! Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Mais il a les mêmes yeux que moi aussi. Est-ce que ça va? Buster Sword, l'épée de Cloud. Ok, Buster Sword. Ouais. Je vais l'appeler Buster, ça ira plus vite.
pour toi. Prends-la. Merci, j'ai gagné une fleur. Une fleur. Ouais. Merci. Tu les as chassés. Alors je te dois bien. Aerith en 4K. Mais de quoi est-ce que tu parles? Aerith, c'est la meuf là avec les plantes? Disons, pour marquer notre rencontre. Ah bah écoute. Attends. Je t'ai entendu, tu sais. Il est là. J'ai en chie. Oh putain. Et c'est combien? Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Ah genre en fait les... Dans ton cas... Tu ne me dois rien. Les choix que je fais, ils ont une importance sur l'histoire ou pas? Retrouvailles. Je préfère t'avertir. Chifa en 4K, c'est beau. Je sais très bien me défendre. Ok. Bah c'est comme à l'époque Lara Croft, hein. Je ne me laisserai pas intimider. Un appareil, ok. Lara Croft sur Play 1, elle avait des libards, c'était des triangles. Après qu'on l'a vu par la suite, on était là, on fait, Lara Croft, pas là. C'est pas du tout mon genre. On te dira en temps voulu. Ok. Le réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi! What the hell? Fuck, man! Oh, c'est les machins de Harry Potter! Les trackers! Adava Kedavra! Je te déglingue! Mais. C'est quoi? Des fantômes! Ouah, mais comment tu tues ça? Lâche ton arme! Ah, ils les voient pas! Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne les voient pas! À mon avis, on devrait se séparer! Ah, ils veulent la tuer, elle! Au revoir! Espectilo Patronum! Ah ouais! Oh, je vais te faire un Patronum dans ta gueule, toi, tu vas voir, avec tes lunettes rouges! Ouais, ouais, tu fais ton Sam Fisher là, avec tes lunettes, tu vas voir! Vas-y, ramène ta sale gueule! Ah la Wakba! Wouh! Bitch, please! Ah, je me suis entraîné là! Y'a le chat qui m'a aidé, mec, tu sais pas qui je suis! Hop là, regarde ta roulade! Hop là, pirouette! Hop là, lili! Dans ta gueule! Oh, comment je le saucissonne, mon pote! Adieu! Bah! Trop facile! Je suis trop puissant, mec! Oh, la musique, elle défonce! Oh, je kiffe les musiques comme ça, un peu genre un peu rock, tu vois, un peu qui. Ouh! Elle est partie par là, elle. J'ai par où, moi? Par là? Ouais. Attendez, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a de la caisse. Ramasse le machin bleu, là. Voilà. Pierre Mako, PM restauré. Super, merci, c'est gentil. Ah, c'est nouveau, là, ce que je fais? Oh, le jeu que je kiffe pour les musiques, moi, c'est Devil May Cry. Alors, les musiques là-dedans, mais... Oh yeah oh eh, c'est moi, il a lancé une grenade, l'autre. Oh, mais t'as lancé une grenade, toi, mais t'es malade, quoi. Je vais mourir, t'as dit. Moi, je vais mourir. Je ne crois pas, allons. C'était couru d'avance. Oh, une pierre violette, c'est quoi? J'ai de la weed. Hein? Oh! 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 Ça, il faut que je mette sur les armes, j'ai retenu. C'est là. Ah merde, mais je peux pas. Attends. Elle fait quoi l'autre? Mais non, je veux pas intervertir. Esquive. Alors, permets de désuyer. Oh sa mère! Mais je mets ça direct! Cécile, tu l'as trop entendu. Attendez, faut que je lise, parce que je vais prendre du retard si je vous lis pas. D'accord.
Non mais c'est bon, j'ai mis soin et j'ai mis ah j'ai la fleur. Oh c'est trop mignon. J'ai mis le... Ah mais on les voit. Oh on les voit sur l'épée. Oh mais ça nique tout. Et je suppose que j'aurai des armes ou j'aurai plus de place pour mettre les cailloux. Oh il y a un pot, il y a un... Attends, je le défonce. Rien à signaler. Oh merde, il y a deux caniches. D'habitude j'aime les chiens. Franchement j'adore les chiens mais là... Là il faut que je saucisse sa daronne. C'est le moment d'en finir. Ah oui, j'ai oublié faire ça et ça. Et ça. Boum. Mais ouais mon pote. Ensuite il faut que je fasse ça, ça. Et ça dans sa gueule. Hop là. Le chat il m'a dit faut que je défonce les grands morts. Voilà. Déjà fini. Déjà fini. Oh, c'est quoi au menu ce soir? Attends, j'arrive pas à lire. Ah 2,40€. Oh c'est pas cher. Oh ça va. Et bravoure aussi. Ouais, faut pas jouer la bravoure. Tarte aux pommes. Ouais, 2,40€ la tarte aux pommes, ça va encore. Hein. À Paris, c'est 80€ le café. Hein. Et 800€ si tu prends le couteau de la serviette qui va avec. Hein. C'est pas des cailloux. Mais je le ramasse par terre. Alors, attendez. Ah ben voilà. Augmente la force de 5%. Que demande le peuple? Donc je vais enlever celle-là. Et je mets celle-là, alors on est d'accord. Feu et soin. Ah mais esquive offensive, c'est bien, non? Ok, donc je vous écoute, je mets feu et soin. Ok, je mets feu et soin. Ok, donc je mets feu et soin, d'accord, je le mets, je vous écoute. Je vous fais confiance. Ne me décevez pas, bon après faut que je joue bien aussi. Essaye pas de résister. Tu mets ça pas. Mais non, j'ai visé le mauvais bonhomme. Oh mais putain, ta grand-mère. Je serai sans pitié. J'ai pris quoi là? Ça marchera pas. Mais j'étais en bravoure là. Bah après, moi je suis quelqu'un dans tous les jeux auxquels je joue. Je mise beaucoup sur ma vitesse et pas sur ma force. Ils sont où ces connards? Ils sont où les ninjas? Ah là. Ah oui. Yeah.
Oh, alors, tu fais moi le malin une fois que t'es décédé, hein, gros con. Ouf. Je vous lis après, hein. Des contraintes plus d'accord. Ouais, j'avoue que le feu ça fait mal, ouais. Ok, ouais, mais c'est plus long un sort. Ce sera plus simple de passer par où. Mais vas-y, là, laisse-moi jouer là. Ah, j'ai des grenades aussi, la première fois que je leur jette des grenades à la gueule. Heureusement que le jeu est rempli de potions, hein, parce que tellement que je suis nul, je vais en prendre de la potion, moi je te le dis. Il est là-bas. Le feu ça brûle. Non, ça c'est une légende. Ah, vas-y, me tirez pas dessus, tu vois pas que je suis sur une échelle. Espèce d'enfoiré, va. Bande de lâches. M'attaquer pendant que je suis sur l'échelle. Pfff. Bande de hules. En direction du quartier résidentiel. Oh là là, oh là là. Ah. Toutes les voies d'accès. Mais sérieux, tu prends l'échelle, saute là. Qui m'attaque. Je vais aller. What? Mais je vais où là? Hein? Bah attends. Ah là. Je vous lis après. Excusez-moi si je lis pas tout de suite. Mais je vous lis après, hein. Allons-y prudemment. Oh, il a un bouclier, l'enfoiré. Ah, t'as un bouclier. Tiens, je te crame, mec. Boum. C'était couru d'avant. Oh, je l'ai one shot. Oh, tu sais pas qui je suis, mec. Faut l'attraper. Oh, y'a guet-apens, regarde, guet-apens. Ah, me tire pas dessus, toi. T'as cru que t'es mon collègue, toi. J'ai même pas forcé. Prends la caillou bleu. Garde les grandes. Ah, les potions, tu parles. Garde les grandes potions pour les boss, c'est ça que tu veux me dire. Garde des PM pour le moment où tu rencontreras des gardes avec des poulies. Là, le fond de ta meilleure option. Ok, d'accord. Chef, puis chef. On est tombé sur le suspect. Faut l'arrêter. C'est dommage qu'il n'y ait pas le démembrement. Ce serait tellement classe, tu vois une jambe qui s'envole là. Ouh. J'ai retrouvé ta like, mec. Ah, je peux run en fait si je veux. Mais moi je veux pas run, je veux les défendre. Mais t'es qui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh merde. Attendez. Tiens, prends ça, cadeau. Hop là. Oh, double kill. Ah, le joueur français qui fait un double kill, cette magnifique action. Oh là 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 là. Oh, raté. Fais un effort, mec, j'étais devant toi, quoi.
Ah, The French Monster qui fait le double kill à la grenade. C'est tellement bien joué, mesdames et messieurs. Oh, oh, oh. J'ai plus de sorts. Excuse-moi, je reviens. Laisse-moi gagner de la mana bleue. Et je suis de nouveau à toi. Et machine grenade, le bâtard. C'est bon. Regarde, j'ai du pouvoir. Hop. Et voilà. Boum. J'ai level up. Putain, j'ai level up. Oh, je kiffe la musique de ouf. Ah, y'a du Mako là-dessous là. C'est pour ça que c'est vert. Oh, la musique elle est géniale. Et c'est parti, mon kiki. Ramenez-vous, moi je vous défonce. Ah non, je rigolais. La tête de ma mère, je rigolais. Oh, y'a le garde qui m'attaque au cul. Il m'a attaqué dans le dos. Oh, arrête! Arrête, il me mange! Arrête! Comment je me libère? Il m'a mangé! Attends, tiens. Boum! Mais j'ai pas de caligou là, dégagez là! Va bouffer tes froliques! Ah oui, j'oubliais de faire ça à chaque fois. Tiens, mange. Ta gueule. Tiens, y'a pas de caligou ici. C'est le confinement, mec. Non, faut que je garde la barre bleue, moi, dis. Donc toi, je suis comme ça, voilà, bim. Hop là. Donc je suis un mec prévoyant. On va faire un petit sort de soin. Voilà. Oh, y'a un vélo. Ouais, comment ça prend le forme ce gameplay. Ça commence à venir hein. C'est parce que j'ai des bons coachs, c'est pour ça. Vous êtes des bons coachs. Un jour je dirais dans mon live on m'a tout appris. J'étais un gros noob. Je connaissais rien de la vie sur Final Fantasy. On m'a ouvert la voie. C'était beau. Ouh, une rue déserte là comme ça pue le boss hein. Ça pue le... En vrai, moi, écras... Je suis fait comme un rat. Ah, tu fais le malin comme... Ah ouais. Il y a un peu de monde, là, quand même. Oh, franchement, à la base, je rigolais. La tête de ma mère. Moi, à la base, ce que je voulais, c'est juste poser des bombes. Parce que j'aime bien les bombes. Voilà, donc non, me tape pas, je suis gentil. Arrête. En plus, t'as un bouclier, tu fais le malin. Tiens, dans ta gueule. Et voilà. Ah, mais il tire dessus, là. Vas-y, essaye. Oh, il a un bouclier rouge l'autre. Attends, mais on va faire ça déjà. Mais arrêtez de me tirer dessus. Ah putain, mais moi tu m'as saoulé, mec. Ah, et toi là. Mais vas-y, mais relève-toi là, c'est qu'un taser. Il m'a tasé la gueule, j'y crois pas. Capitaine Conrad. Tiens, mange. Ah ouais, tiens. Très bien. Ah. Ah.
problème. Tiens, je te frite le cul, mec. Ah, t'as kiffé, hein. Ah, t'as kiffé, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à faire des AK, là? Pourquoi tu fais le kéké, là? Viens, 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 viens. Hop là, tu m'as loupé, hein. Tiens, mange, dans ta gueule. Oh, ça lui a rien fait, c'est de l'arnaque. Raté, tu m'as raté. Tu m'as pas raté. Pour toi, public. Ah, mais ça va s'arrêter quand, là? Tu dis, je joue pas à David McCry, là. Ouais, je sais. Ciao les nazes! Fuck! Oh, ça va, c'est pas si dur que ça, la routine, j'ai envie de te dire! Pourquoi il nous a pas rejoint? Easy quoi! Faites pas cette tête là, je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Merci, c'est gentil, Corellus. Reconnaître, les soldats sont une classe à part. Je commence à prendre le pli là tout doucement. Je pense qu'on devrait l'engager. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont jamais joué contre moi, au début c'est difficile hein. D'apprendre les trucs, les techniques, les sorts et tout ça. Coucou, c'est moi avec mon grand cure-dent et ma belle fleur. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Ouais, je pense que c'est nouveau pour tout le monde, ce genre de... Putain, je suis mal coiffé, je viens de voir, là. Tu vois qu'on peut compter sur lui. Je comprends que pour les gens comme vous, qui avaient l'habitude du tour par tour, c'est difficile. Après, je pense que peut-être que j'essaierai en classique pour voir un petit peu comment c'est. Il y a un truc que j'aimerais vous demander. Ouais, vas-y. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles. C'est les trackers. Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche. Tu les trouveras à Poudlard. Une nouvelle arme de la Shinra? Dis plutôt que la truie t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. On te prévient, le graphisme très mal vieilli. Ouais, mais c'est comme la dernière fois... Du monde ici. J'ai rejoué à Metal Gear 1 justement, putain ça m'a cramé la rétine quoi. J'étais comme ça, ah putain. Alors qu'à l'époque on était là, waouh c'était trop beau quoi. Bah, c'est des polygones quoi. Ah ouais mais je pense hein, je veux dire, moi le problème c'est que... En fait mon problème c'est que justement les RPG j'évite d'y jouer. Parce que sinon j'aurais fait Borderland 3 aussi. Mais le problème c'est que quand je commence des jeux comme ça là, qu'il y a plusieurs séries, je m'arrête plus et je joue qu'à ça en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'à côté j'ai une vie quand même. Donc moi je suis toujours dans l'excès en fait. Moi je sais pas J'aimerais te poser une... Bon dans la musculité, ouais, camouflage optique mec. Tu pourras avoir le costume aussi. J'ai besoin de toi. Tu pouvais avoir le... J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça me perturbe. Le costume, le costard cravate. T'as dit que c'était dû à des émanations de Mako. C'est pas ce qui s'est passé. Après Best Metal Gear. Metal Gear 3, Snake Eater. Même si c'est le Sons of Liberty que j'ai le plus fait. Hein. Mais le Snake Eater. L'unité Cobra là. Au lieu de chercher des excuses. Ah me lancez pas sur Metal Gear parce que sinon on va parler que de ça. Hein. C'est ça. Sinon, ouais, c'est Sons of Liberty, c'est Metal Gear 2. Merci avec Raiden. Après Raiden, moi j'ai pas aimé le personnage. Parce que moi je kiffe Snake. Mais après, ce qui était bien, c'est qu'on voyait Snake d'un autre œil. Mais on n'est pas sur Metal Gear. Parlons Final Fantasy.
peut détruire un réacteur. Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je Big pense Boss, ouais. Avalanche. Oui, on joue Big Boss, c'est vrai. Quand je dis Snake, oui, c'est Naked Snake, c'est Big Boss. C'est pas Solid Snake, son clone. Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète ? Mais je lis les dialogues. Et j'écoute, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Qui êtes-vous ? Ah, mais. Citoyen qui s'inquiète pour la planète. J'aurai un beau costume aussi, cool. Bien sûr. Arrête de le provoquer. La meuf a fait la maligne contre un mec comme ça. Ouais. Cette explosion est une mise en garde envers des vrais malfrats. Contre cette compagnie qui spolie la planète pour son propre compte. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. C'est même clair que vous la connaissez bien. Nous sommes soudés et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Exactement! C'est ça, la mentalité Shinra! J'ai le gamin. Ah, t'as un enfant olympien? Ah, t'es un grand monsieur alors, toi? Évidemment! Nous travaillons pour vivre, nous aussi! Allons-nous-en. T'as de la chance, si t'as un enfant, t'as de la chance. Moi, j'en ai pas encore. J'arrive en avoir. Mais j'ai peur qu'on trouve la meuf qu'il faut. Eh, hey, monsieur, vous avez oublié votre parapluie? Eh, hey, monsieur, votre parapluie. Vivement qu'on arrive, hein. Tu parles. Mentalité Shinra, mon cul, ouais. Ah, t'as 29 ans. Ah, t'es un peu plus jeune que moi. Pas grand chose, mais t'as. Oh, y'a la télé dans le train. Bah, t'es un peu plus jeune que moi. Avec un gosse de 3, ouais, c'est bien. Bon, il dort à cette heure-ci, je pense. Faut que je te parle d'un truc. Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran. Vas-y, je t'écoute. Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité. Je te l'ai déjà dit avant. Je suis pas. Chut. Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme. Tiens, regarde. Toi, je vais c'est te une représentation en 3D de la ville de Midgar. On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol. Quoi ? Ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus. La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritables monstres pollueurs. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. Ça, c'est le trajet que suit notre train. Après ça, je vous parle d'un jeu avec un truc sur ce que t'as dit, Connie. Maintenant, on est pile à mi-chemin. La zone de contrôle d'identité se trouve ici. Il est impossible d'y échapper. Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données. On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public. Tiens, voilà. T'inquiète, j'ai falsifié nos identités. C'est gentil. Eh ouais, je suis plutôt douée pour ces trucs-là. On sera bientôt sur la terre ferme. Ça te réjouit pas? Attends, je réponds après. Hein. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Ah, toi, t'as un grand dur, mais t'as un grand cœur, mec. J'hésite pas à briser mes attaches. Je lis dans tes yeux. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi, mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. Eh, hey, Maître Gims. En fait, les gens sont comme ce train. Ils ne font que suivre les rails de leur destin. Merci Olympia. Et là il dort, ok c'est bien il dort. On est venu vous chercher. On est là. Oh, c'est trop Comment il s'appelle ton fils Olympia si c'est pas indiscret? On t'attendait. T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessé? Ah, ça me rassure. J'aime bien le mec habillé en vert avec le bandeau rouge, il est classe. Jules, ah c'est mignon Jules.
Bébé Jules, comme le fils à Skyrose. C'est une mission réussie. C'est un bon début. Lui là, je l'aime bien, Biggs, il est cool. Ouais. Oh, t'énerve pas, mec. Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seul. Oh merde. Ici, c'est un micro open world. Ok. À la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la poche. Oh, j'espère qu'il n'y en a pas un qui meurt dans le tas, parce que je vais pleurer sinon. Hein. Me spoiliez pas, dites rien. Mais j'espère qu'il n'y en a pas un qui meurt, parce que sinon je peux pas, moi. On se voit, moi, je suis trop sensible. Ça se voit pas, mais je suis trop sensible, moi. C'est dans notre bar, le 7ème ciel. Tifa nous y attend, alors va vite la rassurer. Eh, vous moquez pas, c'est pas gentil. Hein. Je suis taureau, hein. Les taureaux, c'est comme ça. Hein. Donc là, je peux me balader. Moi, je vais me balader alors. Je vais me balader aux Champs-Elysées. Je vais me balader. Maître Gims. Ouais, Maître Gims, il est là. Je vous le dis. C'est le chef de notre groupe. Je l'appellerai Gims maintenant. Ce sera plus Barrette. Ce sera ouais, je commence à habiller toi. Plus aucun train pour aujourd'hui. D'accord. Nous ferons une annonce concernant la reprise. Merci du de cette information. Bonjour. Y a rien à ramasser là. Oh. Un des réacteurs Mako a été détruit. Oui. Un jeu que j'ai kiffé aussi, c'est Détroit Become Human. Où j'étais pas mal triste. Eh, salut. Eh, il est bien, ils sont bien faits. Hein. Oh. Wouh. What the fuck. Ah, genre là, je suis sous la ville où j'étais avant, c'est ça? Oui, je faisais des heures sup au secteur. Midgar, c'est pas là. C'est le truc nordique, ça. Dans God of War, il y avait ça aussi, là. Dans le dernier God of War. On était sur Midgar. J'ai hâte d'avoir la suite de God of War. Je l'ai platiné le jeu. Maman. J'attends le 2. Hein. Sur Play 5, à mon avis. C'est qui, lui? La Mako est le sang de la planète, bla bla bla. On a beau arracher ses affiches, elles reviennent tout de suite. Il a des beaux yeux, Claude, c'est vrai. Un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hey, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Détroit Become Human, il était gratuit avec le PS Plus il y a 3 mois. T'es intoxiqué à la Mako? Ah, c'est à cause de la Mako que je vois ça, d'accord. Oh non, ça recommence. Celui avec son fils. J'ai pas compris. Ah, God of War, le dernier God of War, ouais. J'ai le collector derrière moi. J'ai le collector derrière moi. Si tu veux, je te le montre après. Enfin, je peux te le montrer. Hein. Attends. Attends, je te le montre. Il est là, avec Atreus. Il est là, son fils. Là. Atreus. Il est là. Le God of War. Donc ça prouve à quel point je kiffe cette série. Hein. Je kiffe... Je vais te mettre là, Kratos. Ok, tu surveilles le live. Tu fais le modo dans le chat, ok? Regarde, il y en a. S'il y en a un qui parle mal, tu lui mets un coup de hache dans la tête. Ça roule. Voilà. Ouais, le God of War, franchement, s'il coûte 20 balles, prends-le. Sincèrement, prends-le. Ah ouais, 20 balles, il faut le prendre, mec. N'hésite même pas. Je comprends même pas que t'hésites. Enfin, je dis ça. Si t'as les moyens, bien sûr, parce que 20€ pour voilà, pour certains, ça peut être beaucoup. Mais si t'as les moyens, prends-le, parce que 20€, c'est donné, mec. Il est génialissime, génialissime. Ah bah t'as beaucoup de jeu à faire, moi j'ai lâché 100 balles aujourd'hui pour Resident Evil et pour Final Fantasy. Hein. Mais God of War, prends-le, il est...
ça a rien à voir avec les anciens. Tu vas, ça va te faire bizarre parce que ça a rien à voir sur certains points, ça a rien à voir. Killers. Ouais, mais de toute façon, oui, je pense que je vais en apprendre sur les personnages. Je pense que je vais découvrir petit à petit qui ils sont et comment ils marchent. Ah merde, j'ai raté un chemin là. Ah non, c'est l'entrée du bidonville, d'accord. Secteur 7. Ça, c'est l'entrée du bidonville. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, faut que j'aille tout droit. Hein. Oh wow! Il y a des chemins là. Ah, je vais aller me promener alors. Hein. Ah, pas mal la technique. On connaît les bails. Non, mais c'est mon téléphone, il était cassé. Non, t'as acheté des jeux vidéo? Non, c'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai acheté des jeux vidéo. Donc le bar, il est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais au bar cash ou je me promène? Ah, mais je suis obligé d'y aller. Il me vise là-bas, d'accord. Ah, faut que j'aille parler aux enfants. Bonjour, petite fille. Marlène Brando? Oh, c'est Marlon Brando. T'es enfin rentré, papa! Quoi? Ah! Putain! Pff, je croyais qu'elle parlait à Cloud! J'ai joué avec Tifa! C'est bien ça, tu t'es pas ennuyé, je vois. Ça a l'air d'aller. Ah, Tifa, c'est elle? Tu l'as eu? T'as, elle est mignonne, hein? On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. FIFA, je la prends quand elle veut. Je m'y attendais pas. Tifa. Ça prouve, t'as FIFA. C'est normal, non? Oh putain. Ça fait au moins 5 ans. C'est pas FIFA, c'est Tifa. Bon, c'est pas pareil. Ok. Non, elle est mignonne. Vas-y, entre. Ouais, mais j'ai compris que Marlène, c'est la fille de Barrette. Mais au début, quand elle a dit papa, je croyais qu'elle parlait à Cloud. Je suis quoi? Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. Ah, c'est le bar de Barrette en fait. Télé. De Maître Gims. Allez faire dodo. Ah, Maître Gims. Pour ta récompense, vois ça avec Tifa. C'est elle qui tient les comptes. Ah, ok. Ah, mais c'est ta femme. Ah merde, excuse, je voulais la draguer, putain. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène? Il parle du corona à la télé. Oui, où ça? Merci. Ah là. Ah, regarde. C'est BFM télé. Par contre, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit maintenant, merde. Bonjour, Marlène. Ah, elle a peur de moi. Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça? Mais je l'ai rien dit, wesh. Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Oh, c'est trop mignon. T'as bien raison, mec. Oh, et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. C'est trop mignon. Allez. C'est l'heure du dodo. Ah, c'est pas sa femme. Oh putain. Je la déglingue. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Elle a les yeux rouges. Tu veux manger un truc? Ah non, brun. Non, je voudrais toucher ma paye. Ah, elle est trop chou, Marlène, ouais. C'est vrai. Mais Tifa, apparemment, elle est amoureuse de Cloud, hein. Tu veux pas... Elle a un petit béguin. Elle a un petit béguin pour le petit blond, hein, pour le blondinet. Oh, y'a un flipper. Oui, papa. Les gens qui... Oh, je peux jouer au flipper. Tourner à la planète. Oui. Bah non, je peux pas. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. J'espère que ta femme, elle dira pas ça, Olapia. Hein. Je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ah non, là c'est plus des triangles. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? Quoi? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Ah ouais? Eh bien, suis-moi. Faut aller jouer à ma proprio, ouais. Si elle est écolo aussi. Là-haut. Comme ça, je paye pas le loyer. C'était le cas. Soutenez la cause. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Il y a du sang par terre, il y a eu un meurtre là. Oh, c'est de la peinture. J'ai... Pardon, excusez-moi. D'accord. Et je comprends votre haine pour la Shinra. Est-ce que Cloud, on peut le customiser? Tu ne fais pas discuter avec Barrette et les autres? Non. Oula, toi faut que tu fasses un régime, mon pote. Je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois.
J'étais un peu inquiète. Enfin, je dis ça, moi aussi, il faut que je fasse un bon. Ouais, c'est possible. Ouah, je me suis, j'ai bugué sur le truc. Je me suis dit, c'est quoi ce mec avec les cheveux là? J'ai cru que c'était Paul Naref. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. Ah, on peut customiser Cloud, genre on peut changer ses habits, on peut. Ces types n'hésitent pas. Genre, je parle pas de sa tête ou quoi, je parle de ses habits, de son épée et tout quoi. Ils ont exagéré les dégâts? Non. Si je peux le mettre, je sais pas, le mettre en. Oh, joli, un chien qui est gentil cette fois. Oh, tu sais, oh, je peux pas le caresser, non, dommage. Oh, je suis trop mignon. Comment tu t'appelles? Ah, excuse-moi. Tu m'attends. Pardon. C'est ici. La résidence Vue Céleste. Putain, Vue Céleste. Eh, hey, ça claque. Alors que j'aurais un vieux studio dégueulasse. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Ah ouais? Je suis presque toujours au bar. C'est où le 201? Attends. J'ai pris le temps de décorer. Ah, c'est pas écrit sur la porte? Ah, mais attends, il y a plusieurs portes, merde. C'est celle-là? Attends, mais c'est quelle porte je joue? Ah, c'est celle-là ma porte. Ah, la 201, c'est la première, c'est toi? Appartement 202, qui est. Oh, 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 oh. J'ai pris les devants, mais j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Que t'es trop beau. J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là. Il est un peu tard. Alors on fera les présentations demain. Ah bon? C'est qui? C'est qui? Oh, me dis pas que c'est la meuf aux fleurs! Non, j'ai pas marre. Elle vient avec moi! Grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. Elle me fait du rentre-dedans si là. Si hein. Autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais. Quoi, c'est tout? 10 euros. La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrai te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Mais, si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Oh. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Wesh mec, bon, t'as une nana super jolie, super gentille, dans ton nouvel appart gratos. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles thune. Bah, tu te fous de moi ou quoi? Genre l'épée elle doit peser une blinde. Et tu fais, hop là, tranquille. Oh, y a Bast... oh comment il s'est levé? Je vais essayer de demain matin, j'essaye. Je vais me casser une jambe, mais c'est pas grave. What the fuck? Ça vient du 203. Ah, je crois à côté, il y a quelqu'un qui a des problèmes. Par contre, le paillasson welcome, il se met pas dehors normalement? Parce que là, me dire welcome alors que je vais dehors, c'est un peu con. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est. Ah non, ils ont pas. Oh, Square Enix aurait pu faire un effort, mettre un petit effet de miroir, putain, sérieusement quoi. Ah, j'ai l'extincteur, c'est qu'elle était jamais. Parce qu'apparemment, il y avait le feu avant. T'as vu ses muscles? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Tout va bien? Tapage nocturne là, hein? On va se calmer, hein. Je vais ouvrir. Qui est con? Mais il fait flipper ces firottes hein. Qu'est-ce que tu fais? Retourne à l'intérieur. Lâche-moi. Moi je l'ai tué. J'aurais dû dire, c'est Marco de l'appartement 202.
603. Il est malade, ça fait un moment qu'il est comme ça. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. Si t'as un peu de temps, tu pourras m'aider. 49 ? Ouais. Moi je connais l'agent 47. C'est un grand chauve, en costume noir avec une cravate rouge. Mais 49 Les muscles de qui de Cloud ? Mais pourquoi j'ai des vis sur le bras ? On m'a vissé le bras ou quoi ? Et la main aussi, j'ai perdu un bras, c'est ma mécanique ? Je suis un Anakin Skywalker. Hitman, yeah, bah oui, Olapia. Ah, c'est, putain, moi j'ai des références aux jeux vidéo et au cinéma, je vais t'en faire, mec. Hein. Le quotidien du bidonville, super. Ah, j'ai un petit poster d'un canard. Je sais pas ce que c'est. On peut mettre le personnage de l'autre côté, parce que franchement, là, le welcome, il est un peu con. Hein. Ah, mais c'est parce que la porte s'ouvre à l'envers, c'est pour ça. Wouah. Le faucon millénium vu d'en dessous. Waouh. Ah, ça me rappelle un film. Ouais, c'est le canard coin-coin. Ah, putain. Y'a pas un film qui s'appelle Détroit, un truc comme ça, où y'a un truc comme ça, là? C'est Détroit ou Elysium. Ah, je peux monter sur le toit? Ah, j'ai un coffre-fort cool. C'est pas vraiment un canard, mais je sais pas ce que c'est. C'est mi-canard, mi-poulet, je sais pas. Elysium, ouais, voilà. Ah, mais avec Matt Damon. Donc là, apparemment, je peux me promener. Ah, je peux aller dans sa chambre? Non. Toc, toc, toc. 49. Ah non. Il va me buter sinon. Un chocobo. Ah ça a un nom, ce truc. Oh, elle a un de ses palmiers sur la tête. Que tu es le fameux Cloud. C'est un blaireau pour se raser. Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir? Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Ça sert à quoi, un chocobo? C'est le cas de tous les Ça se mange comme le chocobon? Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Ah, tu veux... Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Bonne nuit, Ifalna, et merci d'être venu, merci de ton follow. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Dors bien. Tifa est partie travailler. Et peut-être à demain pour la suite. Qui sait? Bon, ça vous dérange pas, je rush pas, je rush pas l'histoire. Hein. J'ai envie de... Eh, hey, qu'est-ce que tu fais, petit garçon? J'ai hâte de faire mon prochain rapport d'espionnage. Comment tu s'appelles? La Shinra va... Elle fait caca, elle? Mais non, ce n'est pas la destruction. C'est trop cool, hein, d'avoir une ville qui vit comme ça. Je kiffe trop. Bonne nuit, Corellus, merci à toi. Merci et bonne nuit, à bientôt. Recherche de collaborateurs en cours. C'est le type dont parlait Wedge. L'homme a tout fait, son épée est énorme. Il l'a dit. Son épée est énorme. Tu parles de quelle épée? Celle que j'ai dans le dos? Ha, petit coquin. Son épée est énorme. T'as vu? Il vend ses services. Mais toi tu... T'es intéressé? C'est 2000 gils. C'est le type dont... Recherche de collaborateurs en cours. À cause de l'arrêt des trains. Ah, y'a une échelle là. Ouais, j'ai envie de fouiller un petit peu, de découvrir un petit peu. Parce que c'est que le jeu, il est super beau, quoi. Franchement, là, quand j'arrive là, et je fais ça, mais je kiffe trop de ouf. Hein. Je kiffe trop de ouf. C'est énorme, quoi. Et ça, à l'époque, sur Play 1, il y avait? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on pouvait voir ça sur Play 1. Allez, il fait des abdos. Ouais, il fait des trucs. Ouais, c'est ça, les gars. Ouais, c'est ça, musclez-vous. Allez, espèce de feignasse, là. Hop, là. Eh, tombe pas, tu fais quoi, sale folle? Vous voyez pas cette profondeur?
Ah, vous voyez pas. À l'époque, on voyait pas ce qu'il y avait en haut ? Demon Slayer, ça me dit quelque chose ça. C'est dans quoi de nouveau ça ? Dragon Slayer ? Ah, c'était sombre, comme dans une caverne. C'est un peu con ça. Donc là, je suis ici. Je dois aller là-bas. Je vais aller me promener un petit peu par là, parce que je vois qu'il y a des chemins qui n'ont pas été faits là et là. Ah là, j'ai pas fait là non plus. Ouais, je vais aller en bas à droite déjà. C'est... Ah, c'est l'école ça ? On dirait une basse-cour. Ah bah t'avais l'imagination qu'il fallait, hein. C'est cool. T'avais la bonne imagination. Oh bah c'est quoi, bah là pour, bah c'est vrai que là pour les fans de Final Fantasy c'est comme un rêve là d'avoir ça et de voir enfin à quoi ça ressemble en vrai quoi. Vas-y, c'est un cul de sac, y a même pas un coffre, rien. Ah, c'est dégueulasse de me faire courir jusqu'ici pour rien. Tu serais pas plutôt allergique. Ah, tu m'étonnes, le jeu il est super beau. Même les bonhommes, les PNJ sont fait chier à tous les faire, ils discutent entre eux. C'est cool d'avoir une vie qui, une ville qui vit. Tu me cherches ? On pourrait pas tirer quelques guildes de cette épave ? Il y a plus de... Je vais où en fait là ? Ah là je m'éloigne, ok d'accord, de l'autre sens. Hop là. Oh, 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 comment tu parles de nous là, petit con ? Qu'est-ce que ça dit ? Avalanche, il faut les faire payer. Tu veux qu'on se tape ? Tu veux qu'on se tape ? Hein ? Hein ? Hein ? Un souci ? Oh, ils sont où tes parents ? Je les découpe. Oh, je veux tous vous tuer. Hein. Parlez bien d'Avalanche. On est les gentils, nous. C'est magnifique. Hein. C'est ma partie que j'aime le moins. La première partie, c'est ta partie que tu aimes le moins, pourquoi ? Ah, c'est gentil, Connie. Ce soir, j'irai bien manger au 7ème ciel, tiens. Ah, d'accord. Bah, je pense qu'on ira à la fin de ce chapitre et que j'arrêterai le live parce qu'il est 4h30, je pensais pas. À la base, j'avais lancé un live pour tester OBS et tester mes réglages, voir comment ça marche. D'ailleurs, vous m'avez aidé à corriger 2-3 trucs. Merci. Et je corrigerai la caméra aussi, je la mettrai plus haut. Et du coup, bah, j'ai fait 3 heures de live. C'est même pas prévu. Enfin, 2h30, j'ai le temps en bas. 2h30 de live. Tu m'écoutes ? C'est pas vraiment ce que je pensais. S'il y a pas besoin de se battre. Ah, vous parlez de la première partie, le jeu complet là, ce que je fais. Bah, la première partie, genre, tant et tant de chapitres, c'est nul, et après, au bout d'un moment, c'est bien. Bon, bah, allons vite régler ça. Merci Olympien, merci à toi. Après, j'avoue que mes heures de live, elles sont un peu aléatoires. Hein, parce que je live des fois l'après-midi, des fois je live le soir, des fois je live la nuit, comme aujourd'hui quand je dors pas. T'auras qu'à garder l'argent. Donc, j'espère que vous aurez les notifications à chaque fois que je suis en live. Ce serait cool de retrouver certains d'entre vous. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard. C'est toujours sympa d'avoir des gens récurrents avec qui discuter, etc. C'est cool. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème. Ah d'accord, ok. En fait, c'est quand il y aura le CD numéro 2, on va dire, ce sera plus fun. Ah cool. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau. Ah, ça c'est un shop. Ah ouais, cool. Bonjour. Nous vous apportons un nouveau filtre. Tifa, quel plaisir de te voir. Oh, la coupe elle pète. On dirait un mec qui fait la tectonique. Il s'appelle Cloud. Dis donc, t'as bien joué ton coup toi. Tu veux pas échanger ta place avec moi ? Tu serais pas à la hauteur. Hein ? Voyons, Cloud. Mais j'y pense.
Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats. D'accord, ok. Mais est-ce que quelqu'un a l'info sur la date de sortie du 2? C'est quoi le mieux, prendre des objets ou des matérias? C'est quoi ça? Un disque? Je m'en fous, j'en ai un en stock à écrit. Ah non, le stock de lui, d'accord. Ah, il y a des cailloux. Un caillou de glace et un caillou de foudre, là. Combien de sous j'ai? 1620 sous? Oh. Ah, il est encore en développement. Oh, merde. Mais c'est la musique qu'il faut que j'achète, c'est ça, hein. Ok. Après, si vous me dites que c'est vachement long, si admettons il sort dans 6 mois ou un an, ça va, c'est pas grave. Il a rien en stock, ce connard. La musique avec ses coupes de cheveux. Merci. Considère-toi le bienvenu ici pour tes futurs achats. À condition que Tifa soit avec toi. Au revoir. Passez donc au bar. Je vous préparerai votre cocktail préféré. Ouais, c'est possible que c'est un cross save sur PS5, effectivement, ouais. Après, je pense qu'ils vont le faire PS4, mais peut-être l'optimiser PS5. Parce que je pense pas qu'ils prendront le risque de le sortir que sur PS5. Je pense pas. Comme ils font le 1 maintenant... Tu penses qu'il m'en fera aussi? Peut-être, si tu te montres plus aimable. Pour obtenir un rabais? Hors de question. Parce que de toute façon, la PS5, je l'aurai, donc après... J'attends juste les préco. Maintenant, on va aller voir la propriétaire de la résidence. Je l'ai rencontrée. Tu sais comment elle est alors? Ouais, c'est ça, PS4, PS5, sûr. Ce sera comme la PS4. La PS4, au début, tous les jeux au début de la PS4, enfin, tous les jeux, pas tous, mais la plupart, avaient été refaits pour la PS5. Comme Assassin's Creed 4, par exemple, Black Flag, Call of Duty Ghost, etc. à l'époque. Ils étaient sur Play 3, ils ont fait un remodelage pour la Play 4. Moi, je me demande juste comment ils vont faire le transfert de niveau des personnes avec l'équipement. Bah, je pense que c'est sauvegardé en fait, par rapport à la sauvegarde, je pense. Marle, je vous apporte de nouveaux. Oh, ça me gratte l'oreille. Tifa, je t'attendais avec impatience. Non, tu reprends la patte zéro, je pense. Tiens donc, pourquoi t'es là, toi? C'est pour le travail. Ouais, chaque fois elle était gentille, là, c'est une connasse. Il m'aide à collecter l'argent. T'as intérêt à la protéger. Pas besoin de vous inquiéter pour moi, je sais me défendre. Ça, j'en suis bien consciente. Les sauvegardes sont sur le cloud, mais à mon avis, ça va être comme... Jugé par son attitude, ça va être comme PS3, PS4. N'est-ce pas? N'importe quoi. Ouais, c'est ça, voilà, connaissez ça. Ça va être comme PS3, PS4. Je vais faire un effort. Parce qu'à l'époque, j'étais à 5. Tu pouvais récupérer ta save de la 3 sur la 4. T'as un lit, non? Faut bien dormir la nuit. C'est la première règle du bidonville, n'est-ce pas? Exactement. Allez, tends-moi ta main. Merci beaucoup, Marle. A plus tard. Oui. Oh, elle m'a filé 200 balles! Ok. Ouais, de toute façon, ouais, c'est ça. Tous les jeux ils sont en cross-save de toute façon sur le cloud. Je dois beaucoup à Marle. Elle m'a aidé à m'installer. Et après, je m'inquiète pas plus que ça de toute façon. Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Voilà, attends juste que je puisse la précommander cette putain de console là, ça me saoule d'attendre. Il ne reste plus que le marchand d'armes. Et parce que normalement, ils vont pas la repousser hein. Malgré le corona, c'est conneries, mais normalement, ils vont pas la repousser. Déjà là que Sony, c'est connard, ils ont mis The Last of Us repoussé à une date indéterminée. Ça me fout la haine. Dis donc, cette saloperie de filtre fonctionne pas du tout. Je suis vraiment désolé. Tenez, Mass Effect, j'ai fait que l'Andromeda. Il était en promo sur la Play 4, je l'ai kiffé de ouf.
D'accord, très bien. J'ai kiffé l'Andromeda. Mais on m'a dit que le du 1 à 3 c'était mieux. Tu rigoles? Je vais pas te payer pour un truc qui marche pas. C'est lui qui s'occupe de collecter l'argent. Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde là? Toi, je vais te découper, vous allez mec. Payer ou pas? Parle bien. Merci infiniment. Et voilà, nous avons fini notre tournée. Ah bah en fait, on fait du racket maintenant, depuis avant. Tu as quelques guilds. Tu veux jeter un œil aux arbres? Et Barrett, quand est-ce qu'il aura fini de récupérer de l'argent? Bah on a eu les specs. Si, on a eu les specs. Avant l'ouverture du bar. Oh non, on me parle pas de Julien Chies, oh putain, dis-tu pas lui là. On a un peu de temps. Tu veux faire quoi? Avec ses titres putaclic de merde là. Ah mais tiens. C'était un bon journaliste à l'époque. Et là, il part en... depuis qu'il est sur YouTube, il part en couille. Si tu veux vraiment travailler. Par contre, il a eu une fille récemment avec avec Carole Quinten. Les relations sont plus importantes que l'argent, comme on dit. Ouais, c'est ça, Connie, tout va être décalé, ça m'énerve. Cyberpunk, The Last of Us, tout est... Avec des relations, t'auras du travail. Et si tu je suis dégoûté. Bien, tu gagneras en réputation, ce qui te créera de nouvelles relations. Ok. Et je commence par où? Tu pourrais donner un coup de main à la milice du bidonville. Ça te rapportera pas beaucoup d'argent, mais tu te feras connaître. Ok. Je vais essayer. J'ai vu personne au poste de garde. Allons voir en haut. Il est encore long le chapitre là, parce que bon, je me fais un peu chier, j'ai envie de me battre moi. Moi j'ai envie de découper du clébard et de découper des gardes. Il faudrait qu'on aille s'occuper des créatures de l'avenue des débris. On est chez qui là? Tiens, vous êtes de permanence aujourd'hui? Oh, et qu'est-ce que tu viens faire là, Cloud? Tu veux rejoindre notre milice? Ça dépend de ce que vous y faites. Ça consiste en quoi au juste, comme boulot? Ben, on fait pas mal de choses. Par exemple, Julien Chies, non, il est pas méchant. En fait, c'est un bon. Mais ce que j'aime pas, c'est les trucs sur YouTube, quoi. Je dis, oh là là, j'ai une grande nouvelle. Il va dire, ouais, 2 plus 2 égale 4. Ouais, ça, je savais, merci. Cloud est nouveau, alors il a besoin de se faire un nom, une réputation et des contacts. Ah là, je vais en chier, là. La milice serait l'endroit idéal pour. Merde. Dans ce cas, on a exactement ce qu'il te faut. Il y a des sales bêtes qui nous donnent un peu trop de fil à retordre. On pourra pas te payer, mais on trouvera un moyen de te récompenser. Ouah, je commence à être fatigué, là. Non, surtout que j'ai un peu faim en fait. Et moi, mon épée, tu l'as jamais modifiée? Non. Elle est parfaite comme elle est. Tu t'es promis de la garder telle qu'elle? Tu devrais la modifier. Mais Biggs, il déglingue. Je kiffe trop son style. Tu vas la manger. Je vais t'expliquer comment faire. Nouvelle fonction. Oh! Ok. L'épée broyeuse? C'est quoi ce nom de merde? Ok. Ça, c'est nouveau, ça? Ouais, je sais connu, c'est YouTube. Parce qu'à la base, j'avais commencé sur YouTube il y a plusieurs années. Ça marchait plutôt bien, je montais plutôt bien et j'ai arrêté. Parce que c'est un monde de salopes et un monde de putes. Et je préfère le stream. Parce que le stream, je suis en contact directement avec vous. Et c'est ça que je kiffe, moi. Ah, on pouvait pas améliorer les armes à l'époque? Bon, bah, on va le faire, là. Oh, c'est... oh, qu'est-ce que c'est? Un caillou bleu. Bah attends. Ok. Oh. Ok. Ça c'est quoi ça? Attends. Ouais. Non mais je vais aller en haut là. J'ai 10 PA. Donc ça coûte 4 PA. 4 c'est 4, ça fait 8, ok, d'accord. Ah, c'est tout 4 PA. Bah, je veux augmenter mes PV. Parce que j'en ai marre de me faire rebooster la gueule. Ah, d'accord, ok. Donc, dans l'original, t'avais pas ça. Ok. Donc, je vais prendre les PV. Voilà. Attaque physique sur soldat. Attaque magique. Attaque magique, comme c'est utile, je vais le prendre.
Et je vais prendre... bah c'est tout en fait. C'est tout, le magasin est fermé. Ah, donc en fait sur cette arme là, j'ai ces 4 aptitudes seulement. Et quand j'ai une autre arme, j'aurai plus d'aptitudes. Ok, d'accord, Roger, j'ai compris. Du coup, il y a PM pour matéria et PA pour arme équipement. Lourd. Ok, d'accord. Pas pris du temps en carte, tu en gagnes en montant des niveaux. Esprit physique et magie. Ah, les PV, j'en gagne automatiquement? J'ai pas compris. C'est quoi? C'est les PV que je gagne automatiquement en montant de niveau? L'arme a été ma plus d'habitude à digiter. Ok. Ah ouais, je suis... ouais, c'est vrai que vous avez raison, c'est RPG, donc forcément ma vie, ma mana, etc. va augmenter en montant de level, je suis con, effectivement. J'aurais pas dû acheter les PV, mais la... mais autre chose. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On apprend, on fait des erreurs. C'est bon? Bref, essaie différents trucs, tu verras bien ce que ça donne. La suite. Ok. Et c'est pas tout, il y a un autre truc qu'on peut faire pour te récompenser. De la publicité. Tu peux compter sur Wedge. Avec lui, tout le monde te connaîtra. Cool. Si c'est pour t'aider, Cloud, je suis prêt à parcourir tout le quartier le ventre vide. Bah, alors, tu peux, faut que tu perdes un peu, mon ami. Ces sales bêtes. À l'avenue des débris. Bon courage. Cloud, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, si je peux me débrouiller tout seul. Si je fais pas de conneries. Mais je crois que tu connais pas le chemin. Je te suis. J'apprends pas. Hein. Tu vas voir. Je suis la meilleure guide du bidonville. Eh, j'ai Tifa dans mon équipe. Ouais. C'est quoi tes pouvoirs, madame? T'as pas d'armes, toi, donc c'est que tu dois avoir des pouvoirs, je pense. Faut aller par où? Tu montes le chemin? C'était la guide et tu avais... D'accord, ok. Donc, la meuf, elle me dit, ouais, je te guide. Ok, d'accord, mais ouais, tu me guides... comment je vais là-bas? Il faut que j'aille là, ok, ouais. Moi je suis d'accord, faut que j'aille là-bas, ok. Mais j'ai pas de chemin là. Hein. L'avenue des débris est à l'ouest du bidonville, derrière la muraille qui nous protège des bêtes sauvages. Et d'ailleurs, on ferait mieux de bien se préparer. Je vais faire du sale avec Tifa. Ah, faut pas énerver Tifa. Pourquoi elle pète des câbles? Ah bah lui avec mon épée qui est énorme, il va se calmer depuis avant, ça fait 3 fois qu'il le dit. Ouah, chance du bidonville là. L'environnement idéal pour toutes sortes de bestioles. Ouah, 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 je sens que ça va clasher sévère là. Oui, je suis dans la grotte. T'inquiète, vas-y, moi j'y vais là. Oh, un caillou vert. Hop là, un petit caillou. De glace. Oh, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il y a un caillou de glace, c'est pas par hasard. C'est que les monstres devant moi, ils sont fragiles à la glace. Est-ce que c'est juste? S'il vous plaît. Change de perso si tu peux pour la jouer, ça te gêne. Ah, pourquoi elle est forte, elle? Elle est badass. C'est quoi son arme? C'est un gant? Gant de cuir? Chakra. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais mettre glace, vas-y, hop. Donc vous voulez que j'essaye Tifa? Ok, je vais prendre Tifa alors. Comment je la change? Comme ça. Ah, je peux pas la changer encore.
Je peux pas changer pour l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est bon, je l'ai. C'est Bruce Lee. Oh putain, je suis Jackie Chan. Oh, Walt, wow, mais c'est pépite, mon pote. La classe. C'est donc comme ça que se battent les soldats. Waouh, la meuf, c'est Bruce Lee, wesh. Allez, on continue. Son gant en cuir. Elle fisse les ennemis avec son gant en cuir. Oh putain de merde. Vas-y, on va par là. Oh, y'a des monstres. Donnez-moi Tifa. Ouais, Tifa, viens. Wouah. Oh. Bam. Mais elle est trop stylée! Mais je vais l'épouser cash? Oh, je la veux dans ma team tout le temps, elle! À la place de Maître Gims! Ouais, grave, là, tu la vénères, tu mets une patate, mon gars! Ah, mais en fait, c'est Bruce Lee, quoi! Mais avec dessin! D'accord! Oh y'a des rats. Ah. Attends. Attends, je vais essayer mon combo de trucs là. Ah, je peux pas, merde. Boum. Ah, raté. Wouah, le chef. Oh, c'est high kick, je lui ai mis mon pote. Oh, elle nique tout. Oh, elle est trop bien, Tifa là. J'ai vraiment rien à craindre de ces créatures. Tif tif là. Je pensais pas que tu te battais si bien. Ça fait 5 ans que je suis ici. On apprend vite qu'il faut savoir se défendre tout seul. Tiens, garde ton sang-froid. J'ai la règle numéro combien, ça? Bah oui, t'as dit ici maintenant. Allez, Cloud, je crois qu'on va te bouffer la gueule là. Hop là, double kill, mon pote. Une patate de mort. Je crois bien qu'on a éliminé toutes ces créatures. Il en viendra sûrement d'autres. Est-ce que tu peux être pessimiste? Même si c'est temporaire, on a quand même ramené la paix dans le quartier. Ah, mais je kiffe les yeux rouges qu'elle a, ils pètent. On peut s'en réjouir, non? Si tu le dis. Les gens ne tarderont pas à savoir ce que t'as fait pour eux. Bon, faut qu'on retourne voir Biggs et Wedge. Attends, je suis où là? C'est par là. Est-ce qu'il y a des véhicules dans le jeu? D'habitude les gens bavent sur ses seins. Ah bah, je suis pas un pervers, hein. Je veux dire, j'ai passé l'âge de baver sur une nana virtuelle. Merci Connu, c'est gentil, je te souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir passé ce live avec nous, d'être venu, c'est cool. Il me semble que tu as follow la chaîne, donc je te remercie d'avoir follow la chaîne. Et puis j'espère te revoir bientôt sur la suite ou sur un autre jeu. Hein. Voilà, je stream pas que du Final Fantasy. Bonne nuit à toi, dors bien. Déjà de retour. Et on a réglé le problème. Là où on passe, la vermine trépasse. Ça, c'est ce qu'on a. La Team Rocket. Merci beaucoup. De notre côté, on a fait notre but pour Cloud. Ouais, j'ai remarqué. Contre, je me demande ce que vous avez dit. T'inquiète pas. Si tu fais bien ce que les gens te demandent, tu auras vite une excellente réputation. Placement de produit pour Contrex. Ça va? Contrex, si vous m'écoutez, je veux des sous. Ouais. Merci. Elle te va bien. On sent qu'il y a un lien fort entre vous. Ouais. Elle m'a toujours accompagné. Ça va pas. J'ai pas pris de Doliprane ce matin.
C'est rien du tout. Il s'est passé quoi après ton départ? Tu m'as pas dit. Rien d'intéressant. J'aimerais quand même savoir. On a le temps de discuter tout en cherchant du travail. Tu es un petit peu trop curieuse, jeune fille. Moi aussi, je veux venir. Toi, tu restes là. Non. Allez, dépêchez-vous. Désolé. De partir. Une prochaine fois. Hein? C'est pas juste. Ouais, ouais. Tu vois pas qu'il faut les laisser seuls? Ils se sont pas revus depuis des années, gros bêta. T'as failli casser mon cou, mec. Avant d'aller chercher du travail, ça t'intéresserait pas d'acheter une nouvelle arme? Si. Pas besoin. Si ça se trouve, le gérant du magasin aura entendu parler de toi et sera plus aimable. On peut toujours y faire un tour. Il change vite d'avis, le mec, hein. Il paraît que quelqu'un a éliminé tout. Il est où le vendeur? À 10 mètres? Non, c'était censé être moi. Hein? Ah, il est en dessous. Il paraît que quelqu'un a éliminé toutes les. Il est en dessous, non? Ouais, il est en dessous, ouais. Je rentre par là. Wesh, mec. Ouah, c'est... Non, l'épée, là, je vais la voir, là. Eh, dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte à ton sujet? T'élimines une créature nuisible? On dirait que t'as gagné en notoriété. Ah, ouais. Si, oh, alors. C'est Excalibur. Je suis sur les nerfs parce que je vends presque rien. Je me suis dit que t'aurais besoin d'une bonne arme pour ton boulot. Si ça t'intéresse, je veux bien t'offrir celle-là. Quoi, tu me l'offres? Pour me faire pardonner. Je la paye pas. Et puis si tu utilises une de mes épées, ça me fera de la pub. Je compte sur toi. Ouah, mais okay. Elle est énorme. Au fait, tu veux peut-être jeter un œil au reste? Je fais que regarder. Qu'est-ce qu'il vend maintenant? Un bracelet en fer. Ouais, mais je comprends pas. Le bouclier, c'est la défense. Ok. Le chapeau pointu, c'est quoi? C'est celui qui me dit dans quelle maison je vais être? Si je suis Gryffondor ou Serpentard? Ouais. Gilet pare-balles. Ça coûte cher quand même. Ouais, je pense. Après, t'avais une sorte de canne à côté aussi. Tu vois, il y a une sorte de canne là. Je sais pas ce que c'est en fait. Mais ça, je vais rien acheter. Pour l'instant, je dépense rien. Je vais garder mes sous. Pour l'instant, je dépense rien. Voilà, je prends juste l'épée. J'espère que tu reviendras. Ah ouais, ça c'est cool ça. En fait, chaque arme a ses compétences, et une fois que j'ai la compétence au taquet, ça va sur toutes les armes. C'est génial. Le connu est à même une nouvelle arme. Il est temps de chercher du travail. Je te propose. Wesh, mais c'est. C'est qui? C'est une simulation de la NPE ou quoi? Faites à la milice. Si ça se trouve, il aura du boulot pour un mercenaire comme toi. C'est comme FF9. Ah d'accord, ok. Il devrait être. Dépenses, magie et matériel. Ouais, c'est possible. Attends, mais je veux voir ma nouvelle épée, moi. Attends. Tac. Équipement. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est là-dedans. Yeah. Attends. Bim. Bon, les 100 PV, c'est normal, parce que c'est l'augmentation que j'ai mis, la truc spécial, là. Attaque magique plus 4, attaque physique plus 1. Je perds 2 en PM. Et je perds les 100 de l'amélioration. Mais après, j'ai 3 emplacements. Et je peux débloquer la compétence. Hop là, c'est parti. Ok, dessus j'ai quoi? Soin, feu. Ok. Je vais rajouter donc Tifa, la glace et chakra. Bah du coup je vais mettre esquive offensive, hein. Voilà, hop, bam.
Tac tac. Tifa, elle a rien de neuf. Elle a rien de spé. C'est Cloud qui l'a. Ah, le C, ça veut dire Cloud. D'accord, putain, je vais le comprendre. Putain. Le C devant les objets, c'est Cloud. Et le T, c'est Tifa. Ok. Je me demande si on peut l'alléger davantage. Il y a le marchand juste là. T'as qu'à lui demander. Ah, pourquoi, selon comment on les place, les matérias, ça change? Non. Ah, elle pète l'épée, hein. Waouh, mec, je te déglingue tes grands morts avec. Il faut que je parle au monsieur. Il est long ce chapitre. Bonjour ma petite Tifa. Est-ce que t'as des problèmes? Ok, je vais rentrer dans le jeu. Je suis plutôt venu vous présenter quelqu'un d'utile. Ah, vous êtes encore 7 dans le live quand même, hein. À 5h du matin, vous êtes 7 survivants. Enchanté de te connaître, Cloud. Vous êtes des bons les gens, ça c'est bien. Ça, je vous aime bien, vous. Si la récompense est à la hauteur, je suis prêt à accepter des tâches dangereuses. Tu m'as l'air d'avoir confiance en toi, dis donc. Dans ce cas, j'ai quelque chose qui pourrait bien te convenir. Les personnes qui nous ont demandé de l'aide t'expliqueront tout. Si tu fais du bon travail, j'aurai sûrement d'autres offres à te proposer. Ok. Merci. Donc toi, t'es le chef de l'ANPE. Ah, mais c'est des quêtes secondaires. Collaborateur potentiel en vue. Collecte des données analysables en cours. C'est qui lui? Arme de grande dimension, fonction cardiaque et respiratoire excellente, musculature et ossature parfaitement équilibrées. Ce sujet convient parfaitement. Je m'appelle Chadley. Wow. Je fais un stage au département scientifique de la compagnie Shinra. Mais il est malade ce gosse. Aidez-moi à effectuer mes recherches s'il vous plaît. Veuillez accepter ceci comme acompte. Je vous prie de vous équiper de cette matéria d'analyse et de recueillir les données nécessaires à mes rapports de combat. Avec ça, je serai capable de développer de nouvelles matérias. J'ai aucune envie de travailler pour la Shinra. Pour vous dire la vérité, j'essaie d'agir contre la Shinra comme je le peux. Vous, je suis sûr que vous le comprendrez. Ces nouvelles matérias, elles pourront servir à lutter contre cette compagnie. Ouais, vas-y, à ton âge, il faut que tu sois un rebelle. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me découper en deux. Tu veux que je te prenne au mot? Pour le moment, je crois que l'on peut dire que notre accord reste valable. N'oubliez pas de revenir me voir lorsque vous aurez terminé les rapports de combat, s'il vous plaît. Cool. Les quêtes de Chad, ok. Surtout, n'oubliez pas d'équiper votre arme de la matéria analyse. Cela vous permet de collecter les données de vos adversaires. Ah merde! Ok, d'accord, donc il faut que je sacrifie le matéria. Ok. Non, merde. Ok, alors attends. Attends, Johnny! Ah, attends, bah du coup, je vais enlever celle-là, en fait. Voilà, salut. Et je dois mettre celle-là, analyse. Ok, d'accord. Bah, ils ont rajouté ça, voilà, tu découvres des choses. Tu seras pas venu pour rien. Mais du coup, je vais faire quoi? Je vais lui parler, là? Si tu te débrouilles bien, j'aurai certainement d'autres offres à te proposer. Ah, il faut que j'aille faire les quêtes, d'accord, ok. Bam, 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 là, il y a un CD, là. Oh, c'est juste... Ok, d'accord. C'est quoi, ça? Boutique de boutique, ok, d'accord. Bim bam bim babam. QG de la milice, premier étage, ok. Du travail pour un mercenaire, le point bleu. Ok, bon bah je vais déjà faire ça. La milice a dit qu'elle allait... C'était par là. Hello mec. Voilà ma jolie Tifa. Et toi là, tu parais? Ouais. Dans ce cas, j'aimerais que tu nous débarques. Seule bestie. Ma réserve en acquis. Dis donc, ça te... Bref, si tu... Oh, tu m'as saoulé toi. Que tous ces fichus rongeurs ont l'esprit de... Les rats géants. Ils sont où? Ok, ça c'est quoi ça? Ok, et ça c'est quoi? Ah, genre si je fais ça, ça va m'emmener là-bas? Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau.
Ah ouais, ok, si j'appuie dessus, ça me le met en gros sur la barre. Mais cool ça. J'ai découvert un truc de nouveau. Ça c'est bien ça. Bonjour petite fille, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Tifa. Je cherche Marlène. Elle est au bar. Ouais, je vois que j'ai plusieurs quêtes différentes. Mais je pense qu'en fait, il faut que je fasse les quêtes. Et après, ça va me... Les gentils mercenaires. C'est vrai? Alors, et après, j'aurai fini le chapitre, je pense. Ils aiment aller. Et puis les petits, ce sont des chats. Si tu les appelles, tu vas me les ramener, hein? Bon, je vous avoue que les quêtes secondaires à la con, un peu comme ça, c'est pas trop mon kiff, mais bon. Les trois chats perdus. Ils sont où tes trois chats perdus de merde? Je me demande combien il faut de villes pour aller vivre en haut. Je comprends pas là. Mes amis les chats aiment bien les endroits avec plein de gens. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Qu'est-ce qui fait vivre? Ah, ils me les montrent pas, il faut que je trouve ces putains de chats. Qu'est-ce qu'il y a? L'entrée du bidonville. Qu'elle m'a dit la gosse. Ah, je suis un putain de soldat héros de malade. Et tu veux que je cherche... T'as dit quoi? T'as vu des miaulements de chat? Là, 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 y'a un chaton, là. Viens, mon petit. Ça marche, Olympien, je te remercie d'être venu, d'avoir foutu la chaîne. Je te souhaite de passer une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt pour un prochain live. Et puis bonne chance avec ton fils s'il se réveille tôt. Parce que tu vas galérer. Merci, c'est super gentil, Olympia. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Ah, faut que je monte. Quoi? Bonjour monsieur. Apparemment vous avez des petits soucis de lézard. Là il y a un bug. Bonjour. Par contre. Ah voilà. Tiens alors, en tout cas. Ouais. Blablabla. C'est notre territoire. Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées. Merci et bonne nuit. Je vais m'en occuper. Merci Olympia, c'est cool. Merci, à bientôt. Pour en savoir plus, je te compte. Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite? Ouais, ça marche. Je compte sur toi pour aller voir Nargin. Mais avant ça, regarde ma marchandise. Pourquoi tu veux acheter ça? J'ai pas compris là. Donc là, je dois aller voir quelqu'un, il m'a dit. Je dois aller où? Je dois voir quelqu'un. Place. Ah là, ok. Ok, on va continuer celle-là, hein. On va voir les argions. C'est par là. Y'a pas de chemin là. Ok, voilà. Putain, j'ai envie d'avoir de la baston, j'ai envie d'essayer ma nouvelle épée là. Mettre des gros coups d'épée dans des darons là. Pa, 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 pa. Mais c'est où? Ah, c'est là, chez le mec. Hello! Comment vas-tu? Cet endroit est fermé. Ah! Dans ce cas, vous... Les lézards volants sont dans les entrepôts. Il faut tous les exterminer. C'est parti. Ah, on découvre un nouveau lieu là. Parce que là, il y a un caillou vert derrière, comment je le cherche? Pas ouvrir la porte là? Non, ok. Vas-y, on va par là alors. Ça se casse ça? Non, ça se casse pas. Là, on avance. Ouais. Il y aura de l'ennemi forcément, hein. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Il y aura les lézards volants qui... Ah bah, oula! Ya! Oh merde! J'ai un problème là. Hein.
Gain de niveau. Allez, bam, bam, bam. Ouh, on a monté un niveau. On est des putains de malades mentales. Putain, je vais être niveau 50 quand je vais arrêter de jouer là. Je rigole, j'ai monté deux niveaux. Le mec il s'emballe, tu sais. Aïe. Je teste mon épée. Ça va aller vite. Adieu. Ouais, mais comment elle est rapide l'épée, wesh. Je compte sur toi. Ok, c'est parti. Tu vas tenir le coup. Je m'en occupe. Mais descends, connard. C'est pas fini. J'arrive. Bam. Déjà fini. Les levels, ils ont bloqué. Comment ça, ils ont bloqué? Ah, si j'avance pas, si je fais que les quêtes secondaires et j'avance pas, tu veux dire? Tu penses qu'au bout d'un moment ça va être bloqué, je pourrais pas up? Merde. Mais oh! Ouais, j'ai le caillou ouvert. Ah oui, ouais, je pense, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Hop, je m'assois et je gagne les PV. Ils l'ont dit avant. Voilà, petite pause terminée. On va buter du monstre. Ouais, c'est vraiment, c'est pas à l'avance comment ça va se faire avec le 2. Ouais, c'est par là, hein. Je m'en occupe vite fait. Préfère t'aider. Oh putain. Tu vas cramer. Oh. Comment ils font mal. Ah, en bravo du soldat, je peux pas... Ah, oh, mais c'est impossible, allez taper. Je prends l'élément. Ah, génial. La magie les fait atterrir, d'accord. Je vais pas te rater. Te précipite pas. Ok, c'est parti. On le défonce. D'accord, ok. Ah, j'ai fini? Ah bah voilà. C'est fermé. Ah merde, c'est fermé. Ouais, Tifa, elle est plus forte en magie, c'est ça? Ah ok, d'accord. Oh, je vole. Je compte sur toi. Je peux le faire. J'ai pas fini. Attention à toi. Laisse-moi faire. J'arrive. Ça va bien. Ok, c'est parti. J'ai pas fini. Je vais t'éclater, le mec. Boum. Faut continuer comme ça. Pou,
Oh, le dernier percute que je lui... Oui. Ah, ça c'est cool, quand t'as fait une quête, tu peux demander à TP à celui qui te l'a filé. Ah, cool. Ah, leur ATB, c'est quoi leur grosse attaque, tu veux dire? Alors, il paraît que vous avez, de ce que je vois, toutes ces années passées... Enfin bref, il y a du grabuge, ce genre de travail? Ouais. Commence par mieux... Tout te semblera alors différent. La marchandise que je vends change régulièrement. Ok, d'accord. Viens y jeter un œil de temps en temps. Ouais, j'ai fait une quête. Wouhou. Ça s'est bien passé, hein? Ouais. Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient. C'est une des règles du bidonville. Donc il y a une sorte de règle de... De réputation en fait, il faut avoir une bonne réputation pour être bien, bien vu de tout le monde, avoir des missions, des sous et des meilleures armes. Je pense que Barrett devrait bien. Faut juste pas chercher... Ah, je suis pas obligé de les faire là, je peux continuer la quête principale. Bon, en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller à la quête principale juste pour... pouvoir avancer, je pense. Pour finir le chapitre. Parce qu'après, je pourrais revenir là, je pense, non? Dites-moi pour être sûr. Pas que je fasse une connerie, je peux plus revenir. Parce que si je peux revenir, alors dans ce cas-là, je vais vite fait chez Barrett. Parce que je pense que ça va finir le chapitre. Ah, bah, je vais m'arrêter là. Alors, je vais voir si je peux save. Je vais me foutre là. Ah ouais, là, sauvegarde, cool. En plus, j'ai même pas sauvegardé. Oh oh, peut-être si je aurais bugué. Oh my fucking god. Parce qu'il est 5h10 du matin. Ouais, 3h de live quand même. Ça fait plaisir qu'il y a eu... bah, il reste 5 personnes encore. ça fait plaisir qu'il y ait eu du monde sur ce live. C'était pas du tout prévu que ça dure aussi longtemps. Je voulais à la base tester juste mes trucs. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Killer06 là que je vois encore chatter. Les autres ne chattent pas apparemment. Je ne sais pas s'ils sont là. C'est des viewers muets. Mais merci à tous d'avoir été là. J'espère vous voir prochainement pour la suite de Final Fantasy 7 Remake. Ou pour peut-être éventuellement d'autres jeux aussi. Puisque je vais streamer du RE3, il y aura beaucoup de choses. Voilà, je stream souvent. Ouais, couche tôt, couche tard sont les gens, ouais. Moi aussi, hein, surtout le week-end. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont follow. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très 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 bonne nuit. Merci à tous encore. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live.